Hébreux. N'avait pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est que c'est le niveau le plus radical. Lutter jusqu'au sang, c'est-à-dire tu vas lutter jusqu'à... C'est que même le sang va couler, tu vas continuer de lutter contre le péché pour vivre la sanctification. Alléluia! Pour vivre la sanctification, corps, âme et esprit. Et quand nous parlons de la sanctification, c'est de vivre séparément des choses du monde. C'est de vivre loin des rudiments du monde. Alléluia. Loin des rudiments du monde. Et c'est ce que nous pouvons lire rapidement dans le livre, je suis à l'aise avec ça. Alléluia. C'est ce que nous pouvons lire rapidement dans le livre de Colossiens chapitre 3. On a lu hier, mais on va reprendre pour ceux qui n'étaient pas là. En bref, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, partie du verset 1er. Prenez ça rapidement. On va aller vite, s'il vous plaît. Il est déjà 14h ici. Hey. Le temps court vite même. Et toi, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire, si tu viens à Jésus-Christ de Nazareth, tu dois accepter de mourir avec Christ. C'est-à-dire, tu dois disparaître du monde. C'est-à-dire, le monde ne doit plus te voir dans ces choses-là. Dans les choses dans lesquelles il te connaît hier, il ne doit plus te voir. Est-ce que tu as compris? Il ne doit plus te voir dans ces choses. Quand il te cherche, il va voir que c'est là disparu. Il va constater que c'est là a disparu. Où est-ce qu'il est passé? Il va te chercher. Il ne va plus te voir parce que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et les choses anciennes sont passées. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà. Ce qui doit vous préoccuper désormais, c'est les choses d'en haut. Les choses du ciel. Là où notre Seigneur Jésus-Christ est assis. Alléluia. Là où notre Seigneur Jésus est assis. C'est là que le Seigneur veut te voir. Ce que le Seigneur veut que tu fasses, c'est réellement de rechercher les choses de là-bas. Les choses de là-bas doivent te préoccuper. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tu dois avoir de l'affection pour les choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Alléluia. Regardez cette sœur. Voyez. Alléluia. Regardez bien. Vous avez vu? Voilà. Vous avez vu? Alléluia. La moto ici. Alléluia. Alléluia. Ah. Oui. Mais regardez. Est-ce que ça ressemble à la même personne? Mais c'est la même personne. Regardez. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ceux qui la connaissaient hier dans cette image, quand ils vont trouver cette image, ils ne vont jamais penser que c'est la même personne. Alléluia. Donc, le monde va constater sa disparition.
acceptez que le monde constate votre disparition. Alléluia. Le monde doit constater que celle-là, à qui tu regardes même de manière bizarre, elle est prête à se jeter sur toi. La même personne, tu la traites de tous les noms et elle te dit que Dieu te bénisse. C'est en ça que le monde sera convaincu que réellement tu es mort. Celle colérique qu'il connaissait hier, ce n'est plus la même personne. Tu es réellement mort en Christ. Alléluia. C'est ça. Car vous êtes mort. Car vous êtes mort. Vous avez disparu pour le monde. Pour le monde là, vous n'existez plus. C'est pourquoi il doit vous traiter de cochon. Il doit vous traiter de vieille. Il doit vous traiter de sale. Vous devez accepter. Et votre vie est cachée avec Christ. Alléluia. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée en Jésus. Vous êtes caché. Il vous cherche dans les boîtes de lui. Il ne vous trouve pas. Il vous cherche dans les piscines. Il ne vous trouve plus. Il vous cherche dans les concerts de Arafat. Il ne vous trouve plus. Mais il vous trouve où? En Jésus. Alléluia. Alléluia. La sœur qui était sucée dans cette colère marchait comme ça pour aller dans les boîtes de nuit, dans les bars. On la trouve en train de faire des shows dans les boîtes de nuit. Cette sœur s'est retrouvée devant la chaise devant, avec le micro, en train de chanter pour Jésus. Mais pour le monde, c'est une folie. Alléluia. Ils vont te dire, mais où est-ce que tu es passé pour rentrer dans ça? Où est-ce que tu es passé pour rentrer dans ça? Alléluia. Regardez. C'est tout seul. Le monde. Quand elle était présente dans le monde, grand mannequin, star de mannequin, star internationale de mannequin. Vous avez vu? Alléluia! Vous avez vu? Vous avez vu? Maintenant, elle a disparu dans le monde et elle est apparue en Jésus-Christ. Et voilà. Alléluia. Elle est apparue maintenant en Jésus-Christ. Elle était dans le monde. Le monde la connaissait comme ça. Elle pouvait mettre son sein nu pour faire le mannequinat. Mais maintenant, elle a disparu du monde et elle est apparue en Jésus. Alléluia. Elle est apparue en Jésus. Alléluia. Et donc, le monde ne la voit plus dans les salles de mannequins pour venir exposer sa nudité. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, docteur. Alléluia. Le monde a lancé maintenant. Qu'est-ce que le monde a fait? Parce qu'elle a disparu de leur radar. Elle a disparu. Depuis un an comme ça. Oui. Elle s'est complètement dépouillée. Elle a abandonné le mannequinat. Et elle est venue se cacher en Jésus-Christ. Et depuis un an, le monde a constaté sa disparition. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé avis de recherche. Sur Internet, hein? Ils ont lancé un avis de recherche sur Internet. Il faut que vous acceptez que le monde lance un avis de recherche sur vous. Alléluia. Alléluia. Vous devez accepter qu'on lance un avis de recherche sur vous. Alléluia. Amen. Je vais vous lire l'avis de recherche. Avis de recherche. Disparition mystérieuse de Katusha mannequin international de nationalité ivoirienne. Merci de bien vouloir participer massivement
afin que nous passions, nous puissions la retrouver. Je compte sur vous. Un talent et une étoile montante est en pleine perte. Info live. Je compte sur vous. Aidez-moi afin de retrouver votre cartouche. Avec des recherches. Et c'est elle-même qui a relayé ça pour dire non. Je ne suis pas perdu. Mais je suis en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en Jésus-Christ. Vous devez accepter. Disparaître dans le monde pour apparaître en Jésus. Mais tu ne peux pas être apparu dans le monde et être apparu en Jésus. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas être apparent à deux endroits. C'est très important. Je vous le dis en vérité. Peu que Dieu. Donc le Seigneur veut que vous adoptez désormais les nouveaux caractères et faire mourir les vieux caractères qui consistent en continuer. Faites donc mourir les membres qui sont, Sur la terre, qui sont l'impudicité. Voilà. Quand pas de pas doucement. Assieds-toi là-haut. Quand pas de l'impudicité, c'est un gros mot. Donc nous allons monnayer. Alléluia. Beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle l'impudicité. Toi qui es ici et qui vis dans la prostitution, c'est l'impudicité. Tu n'es pas marié. Tu n'es même pas prêt à te marier. Mais tu veux d'abord vendre ton sexe pour gagner de l'argent. C'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Alléluia. Tu joues de la pornographie pour te satisfaire. C'est de l'impudicité. Tu vis dans la masturbation. C'est de l'impudicité. Et je te le dis en vérité, toutes les fois que tu te masturbes, sache que tu es en train de déverser tout ce que le Seigneur a mis en toi. Qui fait de toi un homme. Hein? Ta grâce, ta bénédiction, ton onction. Hein? Tout ça là, ça passe. Tu déverses tout par la masturbation. C'est pour ça que pour avoir accès à l'onction des chrétiens sur la terre, le diable a mis ce mécanisme sur la terre. Quelle est la pornographie? Sinon, comment est-ce que vous pouvez imaginer que les gens vont se mettre nus et se coucher entre eux et mettre gratuitement sur Internet pour que vous téléchargez sans rien payer? C'est pas gratuit, hein? C'est pas gratuit. C'est comme on a posé de la maison. Et on a mis un appât sur ça. Et il sait que poisson va venir dedans. Ne sois pas le poisson du diable. Donc quand tu touches à ça, tu es capturé. C'est pour ça que même pas la masturbation, beaucoup même oublient même le mariage. Beaucoup oublient le mariage. Parce que tellement ils aiment la masturbation que c'est que ils ne savent même plus à quoi représente ça. Ce mari-là, c'est rien pour vous. Ils ont toutes les formes de pornographie. Et ils jouent ça. Peu de Dieu, j'étais dans ces choses-là. Je pouvais me masturber 5 fois par jour. 5 fois par jour. Sans savoir que je suis en train de détruire tout ce que le Seigneur a mis en moi. Et la grâce du Seigneur m'a visité. Amen. Donc vous aussi, vous devez savoir que ces choses rongent votre âme. Rongent votre âme. La pornographie, c'est un grand piège. Beaucoup de vidéos porno sont tournées même dans le monde sous-marin. Même dans le monde sous-marin. C'est pour ça que même les positions qui sont pratiquées dans le monde astral, dans les orgies sexuelles, quand on parle d'orgie sexuelle, vous allez voir, ceux qui vont dans des réunions occultes,
dans des réunions lucifériennes, ils font des orgies sexuelles. Ils vont mettre une femme nue et ils vont faire tout ce qu'ils veulent avec. Et après, ils vont sacrifier. Et c'est là que Lucifer va apparaître. Et donc, ces choses-là, ils amènent maintenant sur la terre. Et tous ceux qui font ça ou regardent ça directement reçoivent le chiffre de 666. Je vous le dis en vérité. Donc, quand vous êtes en train, quand vous êtes encore dans la pornographie, sachez que vous êtes marqué. Après la pornographie, il y a aussi la partouze. C'est-à-dire, aujourd'hui même, c'est devenu la mode. Où un homme peut inviter deux femmes qui vont coucher ensemble. Ou un club d'amis qui invite cinq filles comme ça, qui vont coucher publiquement entre eux comme ça. La partouze. Et je vous dis, beaucoup de stars que les gens applaudissent aujourd'hui sur la terre, c'est ces choses qu'ils aiment. Même vous allez voir dans les matchs de football des gens dans le gradé en train de se coucher. Oui. Oui. En train de se coucher par derrière. Dans le public, c'est des abominations. Impudicité terrible. Je vous le dis. Ces choses-là, c'est abominable. Des gens qui couchent avec des petites filles ou bien utilisent leurs doigts pour chatouiller le sexe des petites filles, c'est de la pédophilie. C'est de la pédophilie. Et je vous dis, peuple de Dieu, méfiez-vous si vos petites filles s'amusent avec des gens que vous ne maîtrisez pas. À tout temps, c'est ta fille qui l'appelle pour commander. Et ta fille va lui amener. Ta fille de 6 ans, 8 ans, 10 ans. Vous ne savez pas ce qu'ils sont capables de faire avec vos petites filles. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis en vérité, en vérité. Même les petits garçons, vos petits garçons, qui fréquentent des gens que vous ne maîtrisez pas, faites attention. Il y a des gens qui ont l'art de sodomiser les petits garçons. De sodomiser les petits garçons. Alors, faites attention. Ils vont leur payer les bonnes choses, les bonbons, des choses que les petits enfants aiment. Et quand il attire dans sa chambre, il va lui faire miroiter tout. Et quand il va lui faire ça, ton garçon est emporté. Ah, je vais, qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes mon moto? Est-ce que tu aimes mon voiture? Jouer, tout ça là. Et il va le maîtriser. L'enfant ne connaît rien. Il va penser que c'est rien. Or, c'est pour détruire son âme. Nous avons publié le témoignage de l'un de nos bien-aimés que le Seigneur a délivré, de l'homosexualité. Il nous a parlé de toutes ces choses, comment ils attirent les petits-enfants. Vous aussi, faites attention. Alléluia. Il y a des parents qui désirent coucher avec leurs enfants. C'est l'inceste. Ce n'est pas seulement désir. Il y en a qui passent à l'acte. Il y en a qui passent à l'acte. C'est pour ça que nous vous prêchons beaucoup sur la nudité. La nudité. Vos enfants, à un certain âge, ne doit plus avoir accès à votre chambre. C'est très important. Il ne doit plus avoir accès à votre chambre. Et même l'âge bébé, vous ne devrez jamais laisser vos enfants nus. Vous devez leur apprendre à être toujours ouvert. Pas la nudité. Même pour beaucoup d'enfants reçoivent les esprits de sirène. Des esprits de mari de lui, des esprits de femme de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans une maison où il y a la sorcellerie,
Et votre enfant se promène nu. Vous ne savez pas ce qu'ils sont capables de faire. Quand, lors des délivrances, des esprits humains disent non, c'est depuis son enfance que je l'ai. C'est depuis son enfance que je l'ai acheté. Même les petites paroles dans lesquelles des tantes viennent dire oh, c'est mon petit mari, hein. C'est mon petit mari, hein. Tu vas m'épouser. Une vieille sorcière qui parle à ton petit enfant. Tu révoques ça. Alléluia. Amen. Mon enfant a déjà épousé Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Veillez sur ces choses-là. Les petits enfants, quand vous les laissez devant les écrans de télévision, quand ils copient les choses du monde, quand vous sortez de la maison, ils vont reproduire ça sur votre lit. Ce que papa et maman font là, quand vous quittez la maison, ils ont vu déjà la télé. Ils vont reproduire ça. C'est l'impudicité. Vous pouvez vivre dans la sainteté, mais votre lit est souillé. Alors, attention. Alléluia. Attention. Évitez de vous embrasser devant les enfants. Évitez de vous amuser devant les enfants. De faire des amourettes devant les enfants. Ils copient. Leur cas de mémoire est encore vierge. Et ça copie rapidement les choses, mais de la mauvaise manière. Attention. Je vous le dis en vérité, en vérité. Surtout les petites filles sont plus habiles que les garçons. Les garçons sont souvent timides, mais les petites filles les entraînent. Moi, je vous dis, déjà à 5 ans, j'ai été entraîné. La fille vient. Elle vient ouvrir ses cuisses. Moi, je ne sais pas ce qu'elle dit. Et c'est elle qui me montre comment ça se passe. C'est de l'impudicité. Alors, vous devez veiller sur vos enfants. Beaucoup d'enfants deviennent même sorciers à travers cette vie-là. Faites très attention. Ça, c'est de l'impudicité. L'impudicité aussi. Il y a des gens qui s'amusent avec des animaux. Il y en a qui vont aller coucher avec des animaux. On voit que, bon, on sèche les blancs, il y a ces choses, non? Il y en a même en Afrique. Il y a des gens qui couchent avec des moutons. Il y a des gens qui couchent avec des chiens. Ou soit, ils vont utiliser des animaux pour se masturber. C'est-à-dire, ils chatouillent le sexe de l'animal pour se satisfaire. C'est une saleté. Alléluia. Donc, nous les enfants de Dieu, ces choses-là, nous devons les replier. Nous devons voir ça comme une abomination. Et éviter. Nous en disons parce que le Seigneur veut que nous en disons. Parce qu'il y a encore beaucoup, nous ne les connaissons pas. Le corps de l'homme, là, on voit physiquement. Mais ce qu'il a dans son cœur, oh, le cœur tortueux. Si Dieu te révèle l'identité de chacun de nous assis, tu ne peux pas imaginer. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on envoie la parole pour purifier les cœurs, pour purifier les pensées, pour purifier les vies. Sinon, l'homme même debout, c'est une saleté. C'est une saleté, je vous le dis en vérité. C'est une saleté. Ne regardez pas l'homme habillé comme ça debout pour dire que c'est l'homme. Non. C'est Dieu qui sont, ceux qui sont. Mais la parole, ceux qui viennent à la parole, il faut que la parole les purifie. C'est pourquoi la Bible dit, Seigneur, sanctifie-les par ta parole. La parole sanctifie l'homme. Alléluia. La parole sanctifie l'homme. Donc ces choses-là, ce sont abominations. Il y a aussi aujourd'hui des objets sexuels envoyés sur le marché. Même en Afrique, les vibromasseurs, les poupées qui sont des femmes conçues. Quand tu vois ça, ça a la forme humaine. Et on a fait
du sexe. Et des hommes achètent ça. C'est gonflable même. C'est gonflable. Donc, il peut payer et mettre ça dans sa valise et voyager avec. Voyager avec son, sa femme dans le sac. Hein? Et quand il va dans la chambre d'hôtel, il va ouvrir sa valise, il va décorer, il va gonfler maintenant sa femme. Et mettre ça. Et coucher avec. Sa semence va aller où? Dans la mer. Le diable a fait tout pour récupérer la semence des hommes sur la terre. Même les caoutchoucs que vous voyez, les préservatifs, les condoms. Ah, si vous voyez la quantité de semences qui rentrent dans cette poche en une journée dans le monde. Ah, c'est toutes ces choses qui font tourner l'usine du diable dans la mer. C'est ces choses qui font tourner son usine. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, peuple de Dieu, les préservatifs, ce n'est pas pour les chrétiens. Condom, ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour nous. Alléluia. Amen. Les publicités aussi, ça concerne le lit conjugal. Celui qui est marié, qui vit déjà en couple. Il y a aussi des lignes rouges à ne pas franchir sur le lit conjugal. Le lit conjugal, c'est comme un hôtel, A-U-T-E-L. Hôtel, comme l'église a un hôtel, le lit conjugal aussi est l'hôtel dans le foyer. Donc tout ce que vous faites sur cet hôtel-là, les caméras du ciel sont sur toi et filment tout. Si tu pratiques la sodomie avec ton mari ou avec ta femme, la caméra du ciel filme tout. Alors, évitez ça. Si c'est ça que ton mari aime, sache que tu n'es pas marié. Je te dis la vérité. Je te le dis. Je te le dis. Si c'est ça que ton mari exige, et te dit si tu n'acceptes pas, il va aller chez les prostituées. Il faut lui dire au revoir. C'est des lignes rouges. C'est que à ce niveau, c'est pas que tu es en train de désobéir à un homme. Tu n'es pas en train de désobéir à ton mari. Mais tu es en train de désobéir à l'esprit. L'esprit d'impudicité qui est en lui. Amen. L'esprit de saleté qui est en lui. Qui veut te posséder. Tu es en train de refuser. Je te dis. S'il te dit de mettre son sexe dans la bouche. Mais ce n'est pas lui. C'est l'esprit qui est en lui qui exige. Et toi, tu vas refuser. Si tu le fais pour dire non, la Bible a dit, oh, soyez soumis à vos maris. Ce n'est pas de cette soumission qu'il s'agit. Non, ce n'est pas de cette soumission. Je sais que ce que je dis, beaucoup de sœurs en souffrent. Mais c'est de très bonnes souffrances, je vous dis la vérité. C'est une souffrance bénéfique pour votre âme. Je vous dis, ne cédez pas. C'est des lignes rouges. Très dangereuses. Ceux qui commettent de telles abominations dans l'Évitique là sont frappés de mort. Effectivement, tous ceux qui le font aujourd'hui reçoivent directement le chiffre de la bête. 666. Alors, le Seigneur veut que vous évitez cela. Les positions pornographiques, animales, sur le lit conjugal. Le lit conjugal n'est pas un studio de tournage de films pornographiques. C'est un lieu sacré. Amen. Un lieu saint. Amen. C'est pour ça même, avant même de commencer les relations, prenez un temps de prier. Vous sanctifiez votre environnement. Amen. Sanctifiez votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne permettez pas qu'une autre personne dort sur votre lit conjugal. Amen. Ne permettez pas. Amen.
C'est pour toi et pour ton mari. Alléluia. Amen. Et quand on parle du couple, c'est celui qui a reçu la danse ou celui qui a donné une femme. C'est ça qu'on appelle couple. Si tu vis avec un homme qui ne t'a pas encore doté, il faut pleurer. Il faut jeûner. Il faut crier pour qu'il te paie la danse. Sinon, quel que soit le nom d'enfant que tu as fait avec lui, devant Dieu, vous n'êtes pas encore marié. C'est important. Et au portail du ciel, on va te révéler que tout ce que tu as fait sur la terre, c'était du concubinage. Quand tu es au ciel, beaucoup vont passer sur des aiguilles. Sur des aiguilles. Quand vous venez à ce niveau, il y a la tristesse qui naît parce que beaucoup sont dedans. Et nous sommes obligés d'en parler. Si nous n'en parlons pas, nous disons, nous vous laissons comme ça. On préfère vous en parler. Si vous vous rebellez ou bien si vous résistez, au portail du ciel, on va vous rappeler que on vous a dit ça sur la terre. Alléluia. Nous avons même pris le temps de prier, de demander au Seigneur. Mais Seigneur, dis-nous, qui serait qui? Est-ce qu'ils ont déjà en train d'enfants, 10 enfants, ils sont déjà vieilles. Est-ce qu'ils ont encore besoin? Tant que ils sont sains, il faut la danse. Il faut la danse. Obligatoirement. Alléluia. C'est des choses très importantes. Le lit conjugal est sacré. Et avant d'y accéder, il faut la danse. Et quand vous y accédez, faites tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des foyers ou peut-être c'est la femme qui a un problème psychologique, je ne sais quoi. Souvent, ceux qui ont problème de femme de nuit, de mari de nuit, ils ont problème de frigidité. C'est-à-dire, ils ne sentent rien, aucun désir pour leur mari. Vous allez prier, vous allez jeûner pour que le Seigneur vous délivre de ça. Donc, à cause de ça, il y a des femmes que forcément, il faut la présence des sirènes à travers la pornographie avant qu'elle se réveille, ou soit avant que l'homme aussi se réveille. Si vous êtes concerné là, sachez que vous devez prier pour que le Seigneur vous délivre. Dans le livre de Genèse, le Seigneur a dit à Ève, ton désir doit se porter vers ton mari. Donc c'est naturel que tu dois désirer l'homme de ta vie. Et toi, tu ne le désires pas. Et quand vous êtes ensemble, tu ne sens rien pour lui. Sache qu'il y a un esprit qui s'interpose. Et vous devez prier pour le chasser. Et l'homme aussi qui ne sent rien pour sa femme est aussi possédé du même esprit. Et ça fait que il y a des femmes qui refusent le lit à leur conjoint, à leur mari. Et des hommes aussi, quand leur femme les désire, dit non, j'ai pas ton temps. Je n'ai pas ton temps. Mais la Bible a été claire. Ne vous privez pas l'un l'autre. Sauf si vous décidez d'un commun accord, de prier, de vous vaquer à la prière au jour. Et quand vous finissez, retournez de peur que par votre incontinence, le diable ne se saisit de l'un de vous. Il y a des hommes qui sont, il y a des couples qui vivent cette situation que leurs maris sont obligés de se masturber pour se satisfaire. Toutes les femmes qui conduisent leurs maris dans cette situation sont en train de pécher, pécher grave. C'est comme tu es en train de torturer l'âme de ton mari. Le corps de la femme appartient à son mari. Le corps de l'homme appartient à sa femme. Mais j'ai parlé de l'allée rouge. C'est pas parce que ton corps appartient à ton homme que il te dit mets ça dans les oreilles et tu acceptes. Il te dit mets ça dans le lit, tu acceptes. Il te dit mets ça dans la bouche, tu acceptes. Non. Non. Dieu a créé chaque partie de notre corps pour un besoin spécial.
La bouche, ce n'est pas pour le sexe, mais c'est pour la nourriture et pour louer et adorer Dieu. Alléluia. Le nez, c'est pour respirer. En bas, là-bas, là, c'est pour aller au WC. Alléluia. Donc, faites très attention. Des hommes qui ont des désirs portés vers d'autres hommes, c'est ça qu'on appelle l'homosexualité. C'est un esprit. Et vous devez, si vous avez de tels problèmes, prier pour détruire ces semences. Il y a des femmes, hein, elles sont, c'est que leur désir s'est dirigé toujours vers des femmes comme eux. Ils ne supportent. Quand tu es dans ça, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier. Nous avons des soeurs qui nous ont parlé de ça. Et quand ils ont vécu leur souffrance, c'est vraiment un esprit, quoi. C'est vraiment un esprit. C'est un esprit. Et quand l'esprit est en toi, tu te considères même comme un homme. Tu te considères comme un homme debout. Tu ne sens rien pour un homme. Alors, attention. Alléluia. Deux femmes ne peuvent pas se laver ensemble dans le Seigneur. Vous ne devez pas voir la nudité de l'un, l'autre. Si vous faites ça, vous êtes dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas trop difficile là? Non. Hein? Non. Est-ce que je peux continuer? Oui. Hey! Beaucoup vont me lapider dans leur cœur. Alléluia. Amen. Beaucoup vont me lapider dans leur cœur. Vous ne pouvez pas finir de vous laver et être nu comme ça et prendre votre enfant pour la laver. C'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. C'est pas bon. Ces choses-là, il faut les éviter. Tout ça parle de l'impudicité. Tout ça parle de l'impureté. Tu ne peux pas être dans ton intimité et ton homme va coucher avec toi. Mais il y a certaines sœurs qui ont des esprits que lorsqu'elles sont dans l'intimité, c'est-à-dire en mentir, c'est en ce moment qu'elles ont des désirs. C'est un esprit. C'est un esprit. Et si vous avez de tels problèmes, priez. Détruis ces semences. En vous. Même les païens évitent ça parce que c'est une saleté. Les déchets du corps de l'homme pour la femme, Dieu a procédé par ce mécanisme pour sortir tout ça, pour évacuer. C'est un processus d'évacuation. Et dans cette évacuation, ton homme va encore s'approcher de toi. Mais c'est ça. C'est ça. Donc le chrétien né de nouveau, qui marche dans la sanctification, ne doit pas faire ça. Maintenant, ton homme est païen. Et c'est ça que lui aime. Ou bien, c'est au moment où tu es dans cette période que lui veut forcément sortir avec toi. S'il faut pleurer là, pleure de toute ton âme pour qu'il te comprenne que c'est pas chrétien, c'est pas bon. Alléluia. Amen. C'est des choses sales. Peuple de Dieu, voilà les choses importantes. Continuez la lecture. L'impureté. L'impureté. Les passions. Les passions. Alléluia. Moi, quand j'étais dans le monde, ma passion, c'était les films. Films de guerre, films de vampires, films de karaté, les clips mondains et surtout le hip-hop. J'étais un grand popper. Je faisais ma coiffure comme ça, je mets des vrais de quand tu m'as pensé, c'est rasta. Je portais boucle d'oreille. Je portais une chaîne comme ça. En ce moment, il n'y avait pas encore, Destroyer n'était pas encore très connu. Mais le gym qui était connu en ce moment, c'était 3K. Et il y avait une marque qui faisait, la marque c'était Damani Dada. Hey. Qui connaît la marque là ici? Ah, là vous avez vraiment fait le monde. Et je
je fais mon hip-hopper. Alléluia. Je marchais comme ça. C'était ma passion. Quelle était ta passion? Les feuilletons. Et toi? Hein? Seigneur, c'est ma carte qui vient. Alléluia. Voilà un candidat que Jésus a capturé hier. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Tu ne connaissais pas ces choses-là. Voilà. Jésus t'a amené ici pour que tu le saches. Quelle était ta passion? Coucher avec les anciens. Et ta passion? Les films d'horreur. Et toi? Tu aimes seulement les hommes. Et toi? C'était des films qui étaient vraiment horreurs. Des choses horribles. Voilà. Et toi? Les novelas et les films, les Hollywood. Hollywood, Bollywood. Hey, les films indiens. Donc tu connais Nantina et comment elle s'appelle? Et tout ça là. Hein? Vadei. Tu connais? Ah, c'est des démons de chair. Je vous dis. C'est des, le film qu'on appelle Nantina, c'est le premier film hindou que moi je regardais. Ce film-là, quand je regardais, je viens à la maison, je ne dors pas. Mais j'aime tellement. J'aime. C'est ce qu'on appelle film d'horreur. C'est qu'un film que quand tu regardes, tu oublies même que c'est devant un film. Parce que ton âme est torturée même. Ton âme est enragée, ton âme est torturée. Et on aime regarder ça. Je vous dis, le diable là, il n'est pas caché. Alléluia. Et toi? Les novelas. Tous ceux qui aiment les novelas dedans. Donc les passions communes. Novelas. D'accord. Passion, football. Football. Les hommes. Vous n'étiez pas dans football. Ah, ok. Football. Passion, karaté. Karaté. Kung Fu. King Boss. Boss. Boom. Boom. Jet Li, voilà. Le catch. Hein? Voilà, les catch. Voilà. Vous voyez ça? Jeux vidéo. Dessin animé. Ah, hey, même les mamans sont dedans. Hey. Oh Seigneur, au secours. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle passion. C'est-à-dire ce que tu es, c'est que quand tu es assis dedans, même quand tu as faim, tu n'as pas envie de manger. Hein? Même quand tu as faim. Moi, je vous dis, si je vous dis que le film qu'on appelle Prison Break, moi, j'ai passé 3 jours assis à regarder ce film-là. Sans dormir. 3 jours, soit 12 heures. Pour regarder toute la session qui était, l'épisode qui était disponible. Hey, je vous dis la vérité tout de Dieu. Voilà ce qu'on appelle passion. Et cette passion-là, qu'est-ce que la Bible dit? Les passions, les mauvais désirs. Non. Retourne encore dans l'idée générale en gros. C'est dans Colossiens, nous sommes toujours dans Colossiens. Colossiens 3. Car vous êtes mort. Oui. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Yes, continue. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir. Voilà. C'est ce que je veux. Donc, tu dois faire, on a dit, faites donc mourir. Et on a commencé par citer les choses. Nous avons parlé d'abord de l'impudicité. Donc, tu dois faire mourir tout ce qui est impudicité dans ta vie. Maintenant, on est à passion. Tu dois faire mourir aussi tout ce qui est passion. Alléluia. Tu dois faire mourir les passions. Passion. 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 Il y en a qui, leur passion, c'est le boîte de nuit. Chaque samedi,
il doit aller avoir de lui. Chaque samedi. Passion. Qui aime les piscines ici? Piscine. Aller nager dans les piscines nues avec un maillot de bain. Hey, Seigneur Jésus, oh, je vous dis, et malheureusement, beaucoup l'ont fait étant chrétien, étant déjà à l'église, étant déjà à l'église. Le Seigneur veut que nous faisons mourir ces choses-là, cette passion, tout ce qui est passion, feuilleton. Il n'y a plus de programme pour toi sur les chaînes païennes. Je te dis la vérité. Même les pseudo-chaînes gospel qui jouent des musiques modernes où tu vois des femmes en colère en train de faire comme ça et on te dit gospel. Mais c'est gospel de l'enfer. C'est gospel de l'enfer. Vous allez voir des sirènes en train de chanter. Le nom de Dieu dans leur bouche, c'est une abomination. Je vous le dis en vérité. Donc, vous n'avez plus de gospel païen. C'est pour ça que vous devez faire attention. Quand, dans des révélations, on voit que par des télévisions, des gens guérissent en enfer. En réalité, c'est ce qu'ils regardent dans les pays. Ce qu'ils regardent, ce qui sort. Quelqu'un qui regarde 24 heures sur 24, la chaîne de Jésus revient-il, est-ce qu'il va aller en enfer? Il va aller en enfer. Alléluia. Donc, faites attention à ces choses-là. Les feuilletons, ce n'est pas gratuit. Regardez, les abonnements Canaplus dans mon pays là. Dernière promotion, c'était 5 000. Tu donnes 5 000, tu as le décodeur, tu as l'antenne, tu as tout. Vous savez que c'est gratuit, non? Voilà. Pour aller en enfer, le diable rend les choses plus faciles pour vous. Oui. Pour aller en enfer, quoi? Pour t'aider à aller facilement en enfer, on a rendu les choses faciles, gratuites. Gratuit. Je vous le dis en vérité. Moi, je ne sais pas s'il y a une chaîne de sanctification sur Canal Plus. Je ne sais pas. Si vous en connaissez, peut-être. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, faites attention. Faites attention. Les patients, c'est des semences qui vous rongent. Les choses dans lesquelles le diable vous met, pour vous détruire petit à petit. Et derrière chaque chose là, il y a un esprit. Derrière les caractères, il y a un esprit. Derrière les feuilletons, il y a l'esprit de sirène. Beaucoup de foyers sont possédés par ces esprits là et ces esprits contrôlent leur foyer. Et beaucoup de femmes ont l'esprit des acteurs de feuilletons qui regardent. Il y a beaucoup de femmes qui ont le caractère de cette fille, comment elle s'appelle? Marie-Marie, je ne sais pas. Chacun. Zina. Zina. Il y a une fille là. Il y a une fille dont le seul chaud là est sa tête chaud là. Je la déteste à mourir. Je faisais tout pour regarder le film. Hein? Dans le même temps. Il y avait Ruby et là, et là, et le feuilleton là. La patronne là. C'est une fille, elle a tous les caractères de. C'est qu'une femme de vipère. Les deux visages là. Comment ça se fait? C'est elle. Je vous dis. Donc c'est des esprits quoi, c'est des esprits. Et donc le diable envoie ces choses là. Pour que les femmes reçoivent leurs semences. Vous allez voir qu'il y a des femmes qui font exactement ce qui se passe dans les feuilletons envers le mari.
envers le mari. Je vous dis, si aujourd'hui l'infidélité a rempli la terre, ce n'est pas le feuilleton. Parce que les femmes voient que on leur montre dans le feuilleton que les hommes ne sont jamais fidèles. Vous comprenez? Que les hommes ne sont jamais fidèles. Donc, on leur présente que c'est normal qu'elles-mêmes trompent le mari. Voilà. C'est le diable qui fait ces choses-là. Et donc, quand vous regardez ces choses-là, vous allez penser que c'est joli à voir. Mais vous êtes en train de détruire votre foyer. Vous êtes en train de détruire votre vie. Même vous, les femmes, qui n'êtes pas encore mariées, vous avez les feuilletons. Ah, on vous montre aussi comment chercher les hommes dans les feuilletons. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand Dieu, le diable vous enseigne, vous mettez en pratique, vous ne pouvez rien tirer de bon. Alléluia. Recevez l'enseignement de Dieu qui est dans sa parole. C'est ça qui va faire de vous des femmes au foyer. C'est ça qui va faire que vous allez trouver des hommes corrects qui craignent Dieu. Ce n'est pas les hommes de feuilleton qui peuvent faire de votre vie de couple, non. C'est pour ça que il est bon que, avant de vous engager avec un homme, il faut que vous priez. Demandez l'esprit qui est en lui, l'esprit qui l'a mis. Si tu vas épouser un homme feuilleton, il va chercher à jouer feuilleton avec toi. Oui! Il va chercher à jouer feuilleton avec toi. Alors attention, ces choses-là, attention, le Seigneur me parle à propos de l'impudicité. Les sœurs qui mettent leurs petites sœurs dans le foyer, et vous ne savez pas tout ce qui se passe avec votre mari, à propos de votre petite sœur, c'est des pièges, c'est des pièges. Je vous le dis en vérité, c'est des pièges. C'est des pièges. Alors faites attention. Alléluia. Hein? On a parlé des passions, hein? Qui est mort dans ses passions? Alléluia. Hein? Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs qui vous conduisent dans des choses intimes. Mauvais désirs. Désir et passion, c'est comme des jumeaux. Ça traite le même sujet. Les désirs. Boire l'alcool, prendre de la bière. Prendre 2 verres, 3 verres, 4 verres. C'est ça. Si tu désires ça, hein? Fumer la cigarette, fumer la drogue. Qui sont ceux qui mangent de la calaga ici? Seigneur, de la calaba, la gile cuite, alléluia, c'est de la poussière. Dieu maudit le serpent, il dit, tu mangeras de la poussière. Quand tu as l'esprit de serpent en toi, il réclame calaba. C'est pour ça que des gens, des sœurs en sont folles de ça. C'est que lui et moi, si elles ne trouvent pas, elles vont même gratter le lieu pour manger. Je sentis l'odeur. Ou bien vont manger la crème. Je sentis son odeur. Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. C'est un esprit. Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. C'est votre délivrance que vous êtes en train de recevoir comme ça. Amen. C'est votre délivrance. Toute la délivrance, c'est pas feu. Non. La parole délivre. Amen. Alléluia. La parole délivre. Le même esprit derrière l'alcool, le même esprit derrière la cigarette, c'est le même esprit derrière les calamars. Je vous le dis avec vous. De la même manière que l'alcool est un additif. La cigarette est un additif pour les hommes. C'est de cette même manière que le karma,
pitié pour la femme. Le docteur va te dire que non, que c'est le manque de vitamine C. C'est Satan même qui te parle. Vitamine C. Quelle vitamine C? Soyez vraiment vigilants de Dieu. Toutes ces choses-là, le Seigneur ne veut pas pour votre âme. Vous n'êtes pas des serpents pour manger la poussière. Vous êtes des êtres humains. Et le Seigneur, quand vous a créé, il a créé les feux sur la terre. Il a créé toutes sortes d'aliments. Regardez comment l'orange est doux. Regardez comment l'ananas est doux. Regardez la banane. Oh, regardez tout ça. Regardez la pomme. Et tout ça là est là. Et tu vas aller craquer calabar. Hein? Alléluia. Amen. Vous n'êtes plus dans ces choses-là. Amen. Donc voilà, ça fait partie des désirs, des passions. Et c'est des désirs de ça sous votre âme. Continuez. Et la cupidité. La cupidité. Et voilà un gros mot, tout ça. La cupidité, qui est? L'idolâtrie. Ah. On a mis l'idolâtrie et la cupidité ensemble. Parce que c'est des mots synonymes. La cupidité. L'argent. L'amour de l'argent. Mammon. Adoration du Dieu Mammon. Ça conduit à tout. À tout. Des gens aiment l'argent plus que Dieu. Oh, Dieu là. Oh. Les gens aiment l'argent plus que Dieu. C'est pour ça que les gens vont aller faire pacte avec le diable. Pour renier Jésus. Tous ceux qui font pacte avec le diable là. La première chose qu'on va vous demander de faire, c'est de dire que vous reniez Jésus. C'est ce qui se fait. Vous vous renseignez dans la franc-maçonnerie, c'est ça. Dans la rose-croix, dans tous ces choses-là. Reniez Jésus. Et on va vous présenter la Bible. Et vous allez cracher dedans. Oui. C'est ça. C'est parce qu'ils savent que c'est Jésus qui est Dieu. C'est des bonnes guerres. Donc ceux qui courent derrière l'argent, quand l'argent vous attire, vous ne savez pas dans quoi il va vous conduire. C'est pour ça que la Bible vous dit, si vous trouvez à manger, si vous trouvez à vous vêtir, que cela vous suffise. Car ceux qui en recherchent et de la tombe dans tout. Les passions. Vous, vous n'avez pas appelé à ça. Le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. Il sait que vous avez besoin de vous vêtir. Il sait que vous avez besoin de manger, de vous nourrir. Il sait que vous allez dormir dans une maison. C'est pour ça que Dieu ne refuse pas à ses enfants de travailler. Alléluia. Amen. Dieu ne refuse pas à ses enfants de travailler. Le chrétien doit travailler. Les chrétiens paresseux, il y a un problème là aussi. Le chrétien doit travailler. Et si tu n'as pas de travail, tu dois chercher du travail. Dans la prière et aussi préparer tes dossiers déposés. Alléluia. C'est très important. Il ne faut pas aller déposer ton dossier dans une maison de prostitution. Hein? Alléluia. Donc, la cupidité, quand les gens se lèvent pour aller vendre leur propre fils, pour se faire de l'argent, c'est la cupidité. C'est la cupidité. Et quand ils gagnent cet argent, ça les conduit dans tous les désordres. Ça les conduit dans tous les désordres. Le Seigneur veut que nous ne courons pas derrière l'argent, mais nous courons derrière lui. Et lui va nous donner ce qui nous suffit. La Bible dit, lui-même prend soin de nous. Lui-même prend soin de nous. C'est lui-même qui prend soin de nous. Alléluia. C'est lui-même qui prend soin de nous. C'est lui-même. Alléluia. Donc, c'est des choses très importantes que le Seigneur veut que vous sachiez. Continuez. C'est à cause de ces choses
Vous avez vu tout ce que nous avons cité. Il y en a beaucoup encore. Hein. La colère, la médisance, la méchanceté, la sorcellerie, la rage, les murmures, toutes ces choses-là. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils. À cause de toutes ces choses-là, la colère de Dieu descend sur les fils de la perdition. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Voilà les choses auxquelles vous allez renoncer, peuple de Dieu. À la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme. Et vous êtes dépouillés du vieil homme. Si vous êtes réellement dépouillés du vieil homme, toutes ces choses-là, vous devez les renoncer. Alléluia. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Ayant revêtu l'homme nouveau. Vous devez vous revêtir de l'homme nouveau en Jésus-Christ. Qui se renouvelle. Qui se renouvelle. Dans la connaissance. Dans la connaissance. Selon l'image de celui qui l'a créé. Dans la méditation de la parole de Dieu, tu te renouvelles. Tu comprends, tu découvres les nouvelles choses dans la marche chrétienne. C'est ça que le Seigneur te demande. Donc, peuple de Dieu, voilà un peu quelques éléments de la sanctification interne. Maintenant, il y a aussi maintenant la sanctification externe. Alléluia. Je vous le dis en vérité, beaucoup disent que Dieu ne regarde pas le corps, que Dieu regarde le cœur. Mais moi je vous dis, la parole dit clairement que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc, vous devez savoir que même votre apparat physique doit glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3, il est écrit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Posséder son corps, posséder. Ça veut dire que c'est physique même. Alléluia. Posséder son corps dans la sainteté. Donc même votre manière de vous habiller doit glorifier le nom du Seigneur Jésus. Et dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1er, il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre corps, de votre part, un culte raisonnable. Le culte le plus raisonnable que vous pouvez accorder à Dieu, c'est de vous dépouiller des choses du monde. Quand vous vous habillez des choses de Jézabel, vous êtes en train de faire de votre corps un autel de Jézabel. Vous rendez culte à Jézabel. Quand vous vous mettez dans ces choses-là, mais le Seigneur veut que vous vous dépouillez de ces choses. Et dans le livre de Tite 2, verset 3, il est écrit, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur. Quand les gens vous disent que Dieu ne regarde pas l'extérieur là, c'est qu'il n'y a pas un pasteur dans l'église qui va le sortir ses versets. C'est pas qu'on utilise différentes Bibles. La Bible là, c'est la Bible. Alléluia. Mais il faut vous dire que non, Dieu ne parle pas de ça. Maintenant, quand je prends ce verset là, comment je peux le traduire?
On parle de l'extérieur. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pour vous-même. Tu ne t'appartiens plus. Quand tu veux t'habiller à des jours donnés, il y a des choses que vous voulez porter et le Saint-Esprit vous dit, ne porte pas ça. Qui a déjà expérimenté ça? Alléluia. Le Saint-Esprit te dit, non, ne porte pas. C'est pas bon. C'est ça. Parce que ça ne glorifie pas son nom. Alléluia. J'en parle. Beaucoup de sœurs sont dépouillées, mais ils n'ont pas encore les moyens pour prendre de nouveaux vêtements. Donc elles sont obligées de colmater les brèches. Ça ne coûte rien. Même vous pouvez prendre des tissus de 2500, 3000 et couvrir de robe. Avec 1000 francs, vous suppliez un tailleur. Elle va faire ça. Mais vous êtes au Gabon. Quand les gens vous cherchent ici, ça veut dire aussi que vous gagnez aussi facilement ici. Et vous travaillez. Alléluia. Bon, qui est taillé ici? Qui a pris la couture ici? Voilà. Toutes les soeurs de l'église venaient travailler chez elles. Alléluia. Alléluia. Et toi aussi, tu vas faire un bon travail. Il ne faut pas faire koto. Le Seigneur veut aussi que nous nous entraînons. Dans le dépouillement, dans la sanctification, on doit servir. Comment à l'église, il y a un maçon. Et tu veux faire un travail de maçonnerie, tu vas aller chercher un païen qui va rentrer dans ta chambre. Il va rentrer dans ta douche et prononcer des malédictions. Il faut chercher un frère en Christ. Et le frère en Christ aussi, les caractères que vous avez dans le monde, ces caractères sont finis, n'est-ce pas? Quand vous commandez un habit à un tailleur dans le monde, il faut compter 2 mois d'abord avant de réclamer. Est-ce qu'en Christ, on va avoir encore ces caractères? Si tu commandes un travail à un bénisseur du monde, tu vas crier fatigué. Est-ce qu'on va voir ça encore en Christ? Si c'est le travail doit faire 2 semaines, dis-lui, ma soeur, est-ce que tu peux attendre 2 semaines? Parce que le travail tu m'as commandé, voilà le temps que ça va faire. Mais tu lui dis, demain tu vas, oh demain je vais te faire ça, livrer demain. Et le demain ne vient jamais, tu es devenu menteur. On doit tuer ces caractères-là. La Bible nous parle de l'honnêteté. Dis la vérité à son prochain. C'est très important. Si tu ne peux pas livrer le travail à temps, dis-lui la vérité. Si tu es occupé à d'autres travails, dis-lui aussi. Alléluia. Il y a des gens, ils ont appris le métier et à cause de leurs mensonges, ils sont devenus pauvres. Ils ont le talent. Mais ils sont pauvres. Pourquoi? À cause du mensonge. Et tout le monde les vomit. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai un taille chez moi. Quand il te fait la couture, tu portes là. Oh! Je vous dis, même des ministres cousaient chez lui. Mais à cause de malhonnêteté, mensonge, il est plus pauvre que la pauvreté même. Oui. Je vous dis, Dieu te donne le talent et tu as appris le métier. Dieu t'a fait grâce. Si tu reçois beaucoup de clients, c'est-à-dire que beaucoup reconnaissent le talent qui est en toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut t'organiser et embaucher des ouvriers et les payer. Plus le marché vient, plus ça te permet de mieux t'organiser. Mais lui seul veut bouffer tout
Et il met les pailles des gens là, les tissus des gens là, il entasse. Les gens viennent se bosser devant son atelier. Tout le monde l'a fui. Ces caractères là, c'est des caractères quand vous avez l'esprit de limitation, l'esprit de pauvreté, ça vous met dans ces caractères. Évitez cela, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Donc, les choses que nous crions pour dire ne mettez pas ça, ne mettez pas ça, en réalité, c'est des choses qui sont, qui ont l'esprit du monde. Et le Seigneur nous appelle à la sécurité absolue. Comme Ésaïe 60, verset 12, on les appellera un peuple saint, un rachet, les rachetés de l'Éternel. Nous avons été rachetés à un grand prix. Donc nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. 1 Thessaloniciens 4, verset 7 dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous allons aborder maintenant les points précis sur le dépouillement. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne savent pas que le dépouillement est dans la Bible. Et ils pensent qu'on a inventé un beau fantôme. Non. Dans le livre de Genèse, chapitre 35, à partir du verset 1er, nous allons prendre à partir du verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Vous avez entendu ça? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Les dieux étrangers. Les groupes d'oreilles, les paroles. Les choses ceci. Derrière ces choses-là, il y a l'esprit de Jézabel. Il dit changez de vêtements. Purifiez-vous et changez de vêtements. Donc la sanctification là, c'est depuis jeunesse, les gens commencent à prêcher ça. Ce n'est pas en notre temps. Alléluia. Et quand la maison de Jacob a entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils donnaient à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Voyez, depuis Genèse là, les gens savent que les boucles d'oreilles sont des idoles. Alléluia. Amen. Depuis Genèse là, les gens savent que les boucles d'oreilles sont des idoles. Et lorsque Jacob a parlé, ils se sont dépouillés de ces choses-là. Ils ont enlevé. Et Jacob les a enfouis. Il les a enterrés. Alléluia. Amen. Il les a enterrés. Le même sujet est revenu dans le livre de Ésaü. Chapitre 33, à partir du verset 1er. Mais nous allons prendre à partir du verset 4 parce que le temps est parti. Dieu dit à Moïse là, quand je vois ce peuple, j'en ai horreur parce qu'ils sont têtus, ils sont trop rebelles. Et c'est là qu'il dit, je ne veux plus marcher au milieu de Dieu. Et quand le peuple a entendu ça, la Bible nous dit ici, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroies. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je vais te faire. Vous voyez? Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en se loignant du monde pour rien. Le mot dépouillement, je vous ai dit, c'est depuis l'Ancien Testament, depuis Genèse. Et voilà, dans les autres, on a aussi parlé de dépouillement. Donc, Dieu regarde effectivement ce que vous portez sur votre corps. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est revenu sur ces choses-là. Dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas ce verset-là? Alléluia! Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce verset ici? Tout le monde connaît, non? Alléluia. Voilà. Je veux aussi que les femmes vêtues
de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresse, ni d'homme, ni de père, ni d'amis, sont Dieu. Les gens disent que non, quand c'est parce qu'il y a des prostituées dans l'église de Corinthe, c'est pour ça qu'il a donné ses hommes. Aujourd'hui, entre ce qui se passe dans l'église de Corinthe et ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, c'est encore pire. Si après Paul devrait encore reprendre ce verset aujourd'hui, il doit ajouter les tatouages, il doit ajouter les veines, il doit ajouter les collants. Alléluia! Amen. L'église est devenue un centre de mannequinat. Mais le Seigneur ne veut pas ça pour ses enfants. Donc, c'est pour vous dire que votre habillement doit être décent. Les robes qui sont ici là, vous devez les allonger. Ça doit venir en bas. Alléluia. Amen. Les jupes qui s'arrêtent ici, ça doit, on ne doit pas voir ton pied. On ne doit pas voir ici. On ne doit pas voir ça. On ne doit pas voir ça. Il y a une mode chez les parents. Hein? Ils mettent quelque chose ici. Et dit qu'il y a les hommes qui aiment ça. Hein? Ici là. Les parents, qui connaissent de quoi je parle? Hein? Les parents, il y a les années 40, 30 par là. Voilà, il met celle ici. Qui a porté ça ici? Il n'y a pas une bébé ici. Les bébés connaissent. Alléluia. Donc ce qui veut dire que même ils sont ici là, ça séduit. Donc tu dois couvrir jusqu'en bas. C'est pas en te mettant nu, c'est pas en mettant tes cuisses dehors que un homme va t'aborder. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Un homme qui craint Dieu là, c'est quand tu es naturellement habillé, qui doit réellement s'intéresser à toi. Mais quand tu mets les choses moyen. Ça te dénature. Ça te dénature. Alors, peuple de Dieu, fais attention. Beaucoup de sœurs ont des difficultés aujourd'hui avec leur mari. Pourquoi? Parce qu'elles ont épousé ces hommes avec des masques. Maintenant qu'elles ont enlevé les masques, les hommes ont méconnu la femme qu'ils ont épousée hier. Et tu dois être fier. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que tu es dans ta vraie identité. Ce que tu étais hier là, c'était caché. Tu étais caché. Tu étais comme un fantôme devant Dieu. C'est maintenant que Dieu voit ta vraie identité. Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité. Le livre de 1 Pierre 3, toi aussi, en parle. Il dit, ayez non certains parures extérieures qui consistent dans les cheveux tressés, mais les ornements d'or ou les habits qu'on lui met, mais les parures intérieures. C'est ce que le Seigneur veut. Donc, je vous le dis en vérité. Faites attention à ces choses-là. Le livre de Ésaïe, chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'à verset 24. Le Seigneur a décrit la vie des femmes. Les femmes saisissent quand elles s'habillent, comment elles s'habillent, quand elles marchent, comment elles marchent avec une séduction. La Bible a décrit tout cela. Alors vous devez éviter cela. L'Éternel dit, je lis rapidement, va avancer. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent. J'ai dit Esaïe chapitre 3, verset 16 avec 4. Et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés. Parce qu'elles vont en petits pas. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Quand vous marchez sur les rotaroues, vous ne pouvez pas marcher. Vous êtes obligé d'aller à petits pas. Comme ça. Mais c'est des sabots. C'est des sabots. Là, les démons marchent sur des sabots. Les démons, quand vous voyez, les démons, leur pied là, c'est sabot. C'est sabot, comme les pieds d'agneau. Et maintenant, je veux que vous les copiez. Et vous allez porter maintenant leurs chaussures, des sabots. Alléluia. Amen.
Alléluia. Attention. Attention à ces choses-là. Attention. Faites très attention à ces choses. Le Seigneur ne vous a pas créé pour marcher sur des sabots. Mais il vous a donné un pied plat pour que vous puissiez marcher facilement. Alléluia. Donc vous devez porter des chaussures simples. Alléluia. C'est des choses importantes. Le Seigneur poursuit. Et quand vous raisonnez les boucles qui sont les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra le sommet de la tête des filles de Simon chauve. L'Éternel découvrira leur nudité. Ceux qui veulent marcher nu, leur nudité sera découverte. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent dorment à leurs pieds. Et les filets, les croissants, les pendants d'oreilles. Voyez, on a cité tout ce que les femmes ont fait. Et toutes ces choses-là, le Seigneur les en a en abomination. Les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes, les pieds, les ceintures, les boîtes de senteur et les amis, les boîtes de senteur, les parfums, ah, les parfums, déodorants, tout ça là. Nous ne cesserons jamais de vous parler de ces choses. Nous avons constaté que beaucoup de sœurs ont mis des parfums, malgré que nous avons beaucoup prêché sur les réseaux sociaux sur les parfums. On a donné des enseignements avec tous les détails possibles. Et on a même présenté les alternatives. Mais les gens n'aiment pas ça. Vous avez des problèmes de mari de nuit et vous embaumez des parfums et vous venez à la délivrance. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Beaucoup de sœurs, pour venir à la veille, sont venues avec des parfums, font embaumer. Sont embaumer. Vous voulez juste nous fatiguer parce qu'on va crier le feu fatigué. Mais tu t'es couvert de l'esprit avant de venir. Alléluia. Donnez à César ce qui est à César. Si tu viens au ciel. Il y a tellement d'alternatives pour les parfums. Même beaucoup ont mis des parfums et ils sentent très mauvais, je vous dis la vérité, nous sommes devant le Seigneur. Ils sentent très mauvais. Très mauvais. Parfois même, on a envie de vomir. Il y a les pieds d'Alain. C'est Daké qui connaît ça. Alléluia. Les bicarbonates. Moi, Sidaké n'a pas marché pour moi. Citron n'a pas marché pour moi. Et donc, depuis que je suis tombé sur bicarbonate, oh, j'ai loué le Seigneur. Tu le sentiras toujours. Si tu veux, tu peux venir vérifier. Alléluia. Alléluia. Tu ne sentiras plus rien. Mais toi, tu as du parfum, moi, je sens avec un modèle nauséabond. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Alléluia. Bicarbonate simple, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, même avec 100 francs. Je ne sais pas si c'est cher ici ou. 500. Voilà. 600, c'est rien. Par rapport au parfum que vous payez 15 000, 25 000, 35 000. Bicarbonate 500. Et qui va même utiliser ça pendant près de 6 mois. Alléluia. Aimez la simplicité que le Seigneur veut pour vous. Parce que nous parlons du ciel. Nous parlons du ciel. Si ce n'est pas le ciel là, vous pouvez vivre comme vous voulez. Mais à cause du ciel, le Seigneur veut que vous évitez ces choses. Les parfums, évitez ça. Mettez des choses, des alternatives. Si c'est citron qui marche pour toi, chaque matin, à la douche, tu finis la douche, tu mets le citron. Ou bien tu as l'habitude de mettre ça avant de te toucher. Ça dépend de ce qui marche pour toi. Mais derrière ça là aussi, comme il y a alternative, ceux qui n'utilisent rien
et qui sont aussi mauvais là, vous sentez mauvais au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Comme on n'utilise plus parfum, comme on n'utilise plus quoi. Mais il y a alternative. Bicarbonate, citron, toi-même, quand tu rentres à la maison, prends le temps de faire comme ça. Soit tu as un problème au nez. Mais si tu sens mauvais, sache que c'est comme ça que quand tu t'assois à côté des frères, à côté des soeurs, tu sens très mauvais. Et le Saint-Esprit ne peut pas se sentir à l'aise dans cette ambiance. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. C'est sainteté, on a dit. Donc la propriété est dedans, dans la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Les frères et sœurs qui ne lavent pas leurs vêtements, leurs sous-vêtements, c'est dangereux. La malpropreté va conduire beaucoup en enfer. Quand nous parlons de sainteté, nous ne parlons pas de saleté. Alléluia. Amen. Nous ne parlons pas de négligence. Donc ceux qui se négligent dès maintenant là, cherchez les défauts qu'il y a sur vous. Là où ça sent mauvais sur vous. Même ceux qui ont problème de mauvaise haleine, il y a des traitements naturels simples sur ça. Alléluia, ou bien c'est moi qui exagère. Nous devons évangéliser, gagner des choses, des gens pour le Seigneur. Mais tu parles avec une mauvaise haleine devant les païens. Tu ne peux pas faire une minute, il est obligé de partir, tu vas dire que c'est le diable qui est en lui. Alléluia. Alléluia. Vous devez avoir dégagé un modèle naturel. Alléluia. Mauvaise haleine là. Si vous avez ce problème, cherchez le traitement. Cherchez ça. Il y en a aussi qui sont spirituels. Il y en a aussi qui sont spirituels. Il y a des esprits qui vous donnent de mauvaise haleine. Surtout l'esprit de sorcellerie. Oui. Il y a l'œuvre de la sorcellerie dedans. L'œuvre de la sorcellerie, tu sens très mauvais. Alléluia. Amen. Mais on a fini la délivrance. Maintenant, ce qui te reste, c'est le traitement naturel. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez des traitements naturels. Il ne faut pas aller payer les potions magiques des marabouts sur Internet. C'est très important ce que je vous dis. Alléluia. Ces choses-là, le chrétien doit savoir. Ce n'est pas enseignement de percée financière, leadership et quoi, non. Développement personnel, non. Mais c'est l'essentiel dont vous avez besoin pour entrer au ciel. Si tu connais ces choses en détail et tu pratiques, ton âme est heureuse. C'est très important. Très très important. Il y a forcément quelque chose à faire pour régler ces détails-là. Lavez vos habits aussi. Lavez vos habits. Prenez l'habitude. Lavez vos habits. Dieu, il est un Dieu de propriété. Lavez vos habits. Notre Seigneur, il est très élégant. Alléluia. Amen. Il est très élégant. Ceux qui ont reçu la grâce de le voir dans leur vision, dans leur révélation, ils peuvent témoigner que Jésus-Christ, il est beau. Alléluia. Amen. Il est beau. Alléluia. Mais ne négligez pas votre tête. Hein? Si tu ne veux pas te coiffer, il faut peigner. Alléluia. Il faut te peigner. Il ne faut pas faire rasta. Il ne faut pas faire afro. Il n'y a pas de chrétien afro. Alléluia. Toutes ces choses, c'est dans le Seigneur veut que vous les sachiez. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucs qui servent d'ornement à leur pied, et les filets, les croissants, les pendants dorés, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînes des pieds, les ceintures, les voiles de santé, les amulettes, les bagues. Les gens pensent que Dieu ne connaît pas bagues. Ils connaissent ça. Il connaît ça, les bagues et les anneaux du nez.
c'est pas bon. Il y a des femmes qui mettent, qui percent ici, mettent une chose. Ces choses-là, le chrétien ne va pas dedans. Les bagues de mariage, les bagues de, les années de mariage, ça fait partie des sujets sur le dépouillement qui tiraille beaucoup de foyers. Des foyers mixtes, c'est-à-dire où la femme est chrétienne et l'homme est païen. Ou soit parfois même, c'est l'homme qui épouse la sanctification et la femme n'est pas totalement convaincue. Donc ça pose toujours un problème. Et souvent, si c'est l'homme qui reçoit la sanctification avant la femme, c'est un tout petit peu plus facile. Alléluia. Parce que je ne pense pas que la femme, ta femme va te chasser dehors parce que tu as accepté la sanctification. Souvent, c'est pour les convaincre qui est un peu difficile. Parce que elle aime les collants, elle aime les destroyers, toutes ces choses-là que tu lui priais. Maintenant, tu as dit que ah, le Seigneur ne veut pas ça. Ça devient compliqué. Elle se voit bizarre. Parce qu'il y a déjà l'esprit de Jézabel en elle. Donc, il faut faire attention. Les vêtements précieux, les larges tuniques, les manteaux, les gibiciers, les miroirs, les chemises fines, les tubans, hein, les chemises que vous portez et laissez le lombril dehors. Toutes ces choses, le Seigneur les connaît. Le Seigneur les connaît. Alors vous devez faire attention. Il dit, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Il faut savoir que le parfum, c'est comme de l'acide que vous versez sur votre âme. Le parfum. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. C'est écrit dans la Bible. De l'infection. Au lieu de ceinture, au lieu de cheveux bouclés, une chair, tête chauve. Vous avez bouclé les cheveux. Le Seigneur, à travers les témoignages, les révélations, et même les prophéties, le Seigneur a demandé aux femmes chrétiennes qui ont bouclé, qui ont utilisé les choses de Jézabel, d'enlever cette première couche haut. De raser cette première couche-là pour laisser pousser leur chemin naturel. Vous pouvez raser ça où vous voulez. Vous finissez, vous pouvez brûler, vous pouvez jeter dans la poêle. Nous ne savons pas. Nous ne voulons pas savoir ce que vous faites avec vos cheveux. Mais les gens disent que nous sommes en train de faire, de raconter de n'importe quoi. Beaucoup ont suivi le témoignage de Raïssa. Alléluia, oui ou non? Est-ce qu'elle n'a pas parlé de ça? Voilà. Et quand le Seigneur a saisi la bouche de la sœur Déborah, le Seigneur a répété ça. Alléluia. Et même devant vous, dans les délivrances, vous voyez que la sœur là, la dernière fois, le dernier esprit qui était en elle, qui était présent, voilà, l'esprit a dit quoi? Ah! Si on entend ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier sur ça, alors qu'on a la possibilité d'enlever ça. Alléluia. Les choses simples là, le diable veut vous les compliquer pour vous empêcher d'entrer au ciel. Il dit que non, que les cheveux de la femme, c'est sa gloire. Et on dit que de raser les cheveux des femmes, ce n'est pas nous qui avons prêché de raser. Alléluia. Donc chacun est libre. Mais quand le Seigneur dit ce qui est bon pour votre âme, et si vous êtes convaincu, pourquoi ne plus faire? Tu as utilisé les cheveux bouclés. Tu as utilisé les choses qui sont venues dans la mer. Directement, tes cheveux sont marqués. C'est marqué 666. Et plusieurs des problèmes de maux de tête, malgré qu'ils ont enlevé les mèches là, les maux de tête continuent. Parce que les démons sont encore là. Alléluia. Si tu ne veux pas les raser, garde tes démons sur toi. Mais nous, nous allons dire ce qui est essentiel. Alléluia. Cette affaire de raser la tête, le groupe Jésus revient n'a forcé personne, n'a demandé à personne, rase ta tête avant de comprendre pour toi. Non. Non. Mais plusieurs ont témoigné de comment le Seigneur les a parlé, de comment le Seigneur les a révélé que malgré qu'ils ont enlevé les mèches, ils continuent de voir des serpents sur la tête. Continue de voir. Mais quand les diffamations viennent,
les mêmes vont vous envoyer les liens des vidéos pour vous les regarder. Il m'a envoyé un message ce matin pour dire je suis tombé sur l'audio là, je suis troublé. Oh, j'ai dit ma soeur, doucement. Toi, tu es venu dans l'église, Jésus revient à Cotonou, oui ou non? Et tu me dis, j'ai dit, on a fait ta délivrance, oui ou non? Oui. Est-ce qu'on a utilisé quelque chose de bizarre? Elle a dit non. Après ta délivrance, est-ce que le Seigneur n'a pas saisi ta bouche? Et tu as prophétisé? Elle a dit oui. Maintenant, tu as écouté un audio où on dit que Dieu ne peut pas parler par la bouche d'un homme. Qu'est-ce que nous allons faire? Elle est troublée. J'ai dit voilà. Elle-même, elle a prophétisé. Après sa délivrance, l'Esprit du Seigneur l'a saisi. Elle a prophétisé. Mais elle ne croit plus. C'est ça. Quand le diable vous confond là, vous ne croyez même plus à vous-même. Vous ne croyez plus à vous-même. Ce qui est sorti de vous, vous oubliez vite. Oh. Vous oubliez vite. Vous oubliez vite. Alléluia. Amen. Vous oubliez vite. Faites attention. Je vous le dis à l'éternel. Il y a beaucoup qui sachent que le frère Jean Nama a beaucoup de problèmes de sainte doctrine. Et eux-mêmes sont convaincus. Mais c'est sur sa chaîne qu'ils sont allés trouver des diffamations contre nous. Et ils ont cru à ça. Je ne sais pas comment dire. Donc, attention à vous, ce que vous avalez. Peuple de Dieu. Alléluia. Nous, nous avons toujours répété que nous n'allons pas diminuer vigueur dans ce que nous prêchons. Nous sommes calés sur ça. Nous sommes calés sur ça. Donc, si quelqu'un veut venir à Jésus, veut marcher avec nous, de savoir que c'est ça. On ne change pas vigueur. On ne peut pas changer. Alléluia. On ne peut pas changer. L'autre qui a fait l'audio, il croit, lui croit que Jésus-Christ est Dieu. Vous comprenez? Lui croit à la divinité de Jésus. Et vous allez voir dans l'audio, il a prononcé en fond, Jésus-Christ Mao. Il a dit ça en fond. Mais Georges Naman qui ne croit pas du tout que Jésus est Dieu. Et il dit jusqu'à aujourd'hui que Jésus ne peut pas être en même temps son père et être son fils. Donc c'est trois dieux. Lui qui ne croit pas à ça a mis l'audio de celui qui croit à la divinité de Jésus. Ce qui veut dire quoi? Quand il s'agit de tuer un enfant de Dieu, le diable est capable de faire une association contre nature, c'est-à-dire deux choses qui ne peuvent jamais se mettre ensemble pour combattre les saints. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est de bonnes guerres. Donc vous devez faire attention. C'était juste une parenthèse. Peuple de Dieu, il y a un verset dangereux qui vont rattraper le jour du jugement tous ceux qui refusent de se dépouiller très vite de leur vivant et de se conformer à la sainte doctrine, à la sanctification corps, âme et esprit. Le livre d'Ézéchiel chapitre 7, le verset 18 à 22. 19 à 22. Il est écrit que en ce jour, c'est-à-dire après l'enlèvement là, beaucoup vont se rendre compte de leur erreur. Et en ce jour, ils jetteront leur argent dans les rues. Et leur or, c'est-à-dire les bijoux, les mèches, les perruques, les rouges aux lèvres, les tous ces accoutrements là, sera pour eux un objet d'horreur. Les esprits qui sont cachés derrière ces choses-là, ces esprits vont s'apparaître. Après l'enlèvement là, vous allez voir. Tous ceux qui ont même un démon en eux, le démon va sortir de lui maintenant et dit, voilà, nous sommes ensemble maintenant. Les gens vont voir les démons maintenant physiquement. Après l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre que Dieu a barré la voie pour que vous ne voyez pas les démons physiquement. Sinon, vous ne pouvez même pas être sur la terre. Je vous dis la vérité. Quand Dieu va vous ouvrir vos yeux et vous allez voir les démons comme ça physiquement, vous ne pouvez pas rester sur la terre.
vous ne pouvez pas. Beaucoup vont devenir fous. Je vous dis, quand toi tu marches dans la rue, quand toi tu vas quelque part, tu rencontres un homme qui a sa tête dans la main. Tu peux supporter? Il a sa tête dans la main comme ça, il marche. Tu peux supporter? Ce que Dieu nous cache là, c'est tout. Hein. C'est tout. Quand toi tu vois un arbre en train de se déplacer, mais ça c'est déjà quelque chose de grave pour toi. Quand tu vois une bouteille en train de chanter, en train de partir comme ça, toi tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Hein? Tu es devenu fou. Mais quand la trompette va sonner là, c'est des choses auxquelles les gens vont assister. Et ils vont rester dedans. Donc le Seigneur dit, ces choses seront pour un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront les rassasier leur âme et remplir leurs entrailles. Car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. C'est ce qui, le fait d'avoir utilisé ces choses-là, les a fait tomber dans leur péché. C'est-à-dire, ça les a, c'est un péché pour eux, c'est un péché devant Dieu. C'est un piège pour leur âme. Ils étaient fiers de leur magnifique parure. Et ils en ont fabriqué les images de leur abomination, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. C'est-à-dire, le Seigneur dit, il va faire de ces choses. C'est qu'ils vont voir ces choses. Ils vont avoir peur. Quand la trompette va sonner, les gens vont voir que les boucles d'oreilles qu'ils ont portées, c'est serpent. Qui va supporter? Ils vont détaler. Alléluia. De leurs idoles. Je la donnerai en pillage aux messagers et comme butin aux impies de la terre afin qu'ils la profanent. Ça veut dire quoi? Ils seront livrés aux impies de la terre. Les impies de la terre, ce sont les démons qui vont prendre la terre en otage après l'enlèvement. Les étrangers, les démons qui vont, ils sont déjà prêts à envahir la terre. Ils sont prêts. Et ils sont prêts. Ils attendent une chose seulement. La trompette. Les sons, bam! Les cerfs vont monter. Et toute chose sera finie. C'est fini. C'est fini. Et ils vont rentrer dans la danse. Je vous le dis en vérité. Faites tout pour rater. Pour rater ces choses-là. C'est pour vous dire de tout faire pour monter au ciel. Alléluia. Faites tout pour monter au ciel. À l'enlèvement. Mais si vous ratez, les francs-maçons travaillent pour ça. Les catholiques travaillent pour ça. L'islam travaille pour ça. Toutes les religions de la terre sont liées pour un seul but. Pour un seul but. Empêcher maximum de gens de monter au ciel à l'enlèvement. C'est leur seul objectif. C'est pourquoi ils se comprennent entre eux. Aujourd'hui, à travers l'œcuménisme, toutes les religions parlent déjà le même langage. Est-ce qu'il n'y a pas ça ici au Cameroun? Voilà. Et quand ils s'assemblent, c'est pour attaquer les saints. C'est pourquoi vous devez vraiment vous resserrer les rangs. Resserrer les rangs. Si un frère est en difficulté, une soeur en difficulté, allez vite à son secours. Parce que les païens, les religions se lient contre nous. Vous allez voir que les catholiques et les musulmans se comprennent facilement. Un catholique et un musulman dans la même maison, tu n'allais jamais voir de problème. Mais quand tu es une femme sanctifiée dans la maison, oh, les deux vont se liguer contre toi. Je te dis la vérité. Ils vont te torturer moralement. Ils vont te haïr à vomir. Je te dis la vérité. Si tu dis aujourd'hui, je suis dans une secte, personne ne va. Personne ne va te voir du mal, non. C'est ton choix. Ils vont dire que c'est ton choix. Nous sommes en liberté. Chacun vit d'adorer son Dieu. Mais quand tu commences à parler de Jésus, ils vont trouver que c'est mauvais. Là, tu n'as plus de liberté. C'est parce qu'ils se sont ligués. Et l'esprit qui est en eux, l'esprit s'est ligué contre nous. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Mais vous devez connaître votre position. Alléluia!
Donc ces choses-là, vous donnez panneau, chaîne, bague, tout ça là, c'est des abominations devant le Seigneur. La dépigmentation, le Seigneur ne veut pas que vous utilisiez des produits pour dépigmenter, changer la couleur de votre corps, les pommades, toutes ces choses-là que vous utilisez pour changer votre teint, les éclaircissants, les carreaux white, toutes ces choses-là, il y a des carreaux nights en enfer. Attention. La Bible dit dans le livre de Jérémie 13, verset 23, un Éthiopien, quand on parle d'Éthiopien, on parle de qui? Africain, noir. Alléluia. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un ne pas ses tâches? Aujourd'hui, oh, les gens disent non, Dieu là, c'est parce qu'il n'est pas la mode. Il ne connaît pas la mode. C'est pourquoi il va poser cette question. Et les gens lui apportent la réponse. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Dieu ne peut pas être noir et chercher à devenir blanc. Parce que les hommes aiment ce qui est blanc. Non. C'est parce que Dieu veut que tu sois noir, que tu es créé noir. Sois fier de ton teint. Sois fier. Sois fier, peuple de Dieu. Donc, ne cherchez pas à répondre à Dieu en allant utiliser des produits. Alléluia. Beaucoup vont dire, mais dans la matin, quand on a utilisé quoi? Oui. Les verres de qualité. Je vous dis, moi j'ai toujours ça dans mon sac. Verre de qualité. Même à la pharmacie, vous allez trouver. Alléluia. Les huiles naturelles, vous pouvez utiliser ça. Huile d'olive, huile de coco, je ne sais quoi. Huile d'amande, voilà. Les huiles naturelles, vous pouvez utiliser ça. Mais évitez les produits cosmétiques, les pommades, tout ça. Pour les choses là, sur lesquelles vous allez voir une femme assise comme ça, elle fait comme ça. C'est une sirène. Et quand tu l'utilises, tu l'accueilles dans ta vie. Je te dis maintenant. Mais le verset 21 dit, oh toi homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le fait de changer la couleur de sa peau, c'est une contestation. C'est un acte de contestation, c'est de dire à Dieu, Dieu, mais je suis désolé, toi tu veux que je sois noir, alors que tu sais que les hommes aiment le blanc. Il ne faut pas être désolé de la manière dont Dieu t'a créé. Je te dis la vérité. Même s'il a mis ta bouche ici là, sache que lui c'est bon pour lui. Parce qu'il t'a dit, après avoir créé toute chose, la Bible dit que Dieu a vu et les a dit, c'est bon. Ce que Dieu a dit, c'est bon. Toi tu dis que c'est mauvais. Parce que toi tu es aujourd'hui à la mode. Et ça, il pouvait vous qualifier de pervers. Quel pervertisé, perversité, Esaïe 29, verset 7. Quel perversité. Pour que l'ouvrier dise de l'ouvrier, il ne m'a pas fait. Pour que le va dire du bouclier, il n'a pas d'intelligence. Dis à Dieu, je peux devenir clair comme je veux. C'est comme tu dis à Dieu, tu n'es pas intelligent. C'est comme si tu traites Dieu de stupide. Tu vois comment le mot est Dieu. Vous voyez ça? Attention. 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 Alléluia. Et dans Esaïe 45, il est dit, malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi les vases de terre. Malheur à celui qui conteste la couleur de la peau que Dieu lui a donnée. Malheur à celui qui conteste la forme de nez que Dieu lui a donnée et va aller faire une chirurgie pour allonger son nez. Les docteurs qui font ce travail-là, c'est la mort, c'est l'enfer. C'est pas, vous n'avez aucun talent. Ça, c'est pas un talent que vous avez. Attention. Alléluia. Les chirurgies esthétiques, c'est pas bon. Ceux qui mettent des produits dans leurs fesses pour grossir leurs fesses, c'est pas bon.
Si Dieu t'a donné le fesse plat, sache que c'est ça qui est bon pour lui. Alléluia. Amen. Tu vas trouver des hommes sur la terre qui préfèrent ça. Alléluia. Amen. Je vous dis en vérité, pour quitter cette terre, pour entrer au ciel. Hey, le diable dit, mais est-ce que c'est tout, il va citer? Vous entendez même dans l'intelligence? Nous allons tout citer. Nous allons tout citer. Nous allons tout citer. Il peut nous détester. Alléluia. Amen. Quand vous faites ces choses, les gens se moquent de vous. Les gens vous traitent. Oh, tu es vieux, tout ça là. Regardez ce que Job dit dans le livre de Job 19, verset 26. Il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Alléluia. Amen. Quand je serai vieille sur la terre, au ciel, je serai vieille comme une belle. Amen. Voilà. Voilà, peuple de Dieu. Les femmes chrétiennes ne doivent pas mettre de pantalon. C'est un sujet non négociable. Il n'y a pas de négociation pour ça. Pas de pantalon. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination avec l'Éternel ton Dieu. Abomination, on a dit. Abomination. Quand les femmes portent des pantalons et tournent les fesses dedans, c'est une abomination devant Dieu. Alléluia. C'est une abomination. Alors, vous chrétiens, il n'y a pas de collant pour vous. Il n'y a pas de cycliste pour vous. Alléluia. Même lors des délivrances, quand tu portes cycliste en bas, on peut ne pas voir. Mais l'esprit refuse de partir, on va demander aux soeurs. Oh, allez vérifier si elle n'a pas porté cycliste. Si on voit que c'est cycliste, on enlève, là, l'esprit part directement. Parce qu'il y a un esprit derrière ça. Voilà. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que vous ne devez pas mettre quelque chose en bas. Alléluia. Mais pas de cycliste. C'est très important. Pas de pantalon. Pas de jean. Pas de destroyer. Pas de collant. Il y a des gens qui disent, dans les pays européens, ça, il y a la température, c'est froid. Il fait froid. Comment on va faire? Ces pantalons nous portons pour faire cela. Mais regardez, depuis le déploiement est venu. Les gens sont en France, les gens sont en Europe, les gens sont même en Russie, et ils ont accepté le dépouillement et ils ne portent pas de pantalon. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Oui. Ceux qui se plaignent comme ça, ce que nous leur disons, c'est ce que l'Esprit de Dieu nous met à cœur de leur dire. De leur dire simplement, s'ils pensent qu'il fait froid là-bas, ils doivent faire forcément ce que Dieu ne veut pas. De savoir aussi qu'il fait très chaud en enfer. Donc c'est à eux de choisir entre la fraîcheur et la chaleur en enfer. Alléluia. Amen. Ah. Peuple de Dieu, vous ne devez pas vous amuser avec votre âme. Votre âme. Même si on remplit toute cette chambre de dollars, d'euros, et on te donne tout dans ton âme, refuse. Regarde, refuse. Mais le diable met des choses banales sur votre chemin pour vous arracher votre âme. Pour votre âme. Votre âme. Vous ne devez pas accepter cela. C'est pour ça que vous devez retourner à la parole. Chercher la volonté de Dieu. Rien que sa volonté. C'est sa volonté parfaite qui va garantir la sécurité de votre âme. Beaucoup sont des chrétiens sur terre, mais l'âme sont capturées. C'est pour ça que vous voyez dans les délivrances, on leur donne à l'esprit d'aller chercher son âme. Vous pensez que c'est banal? C'est pas banal! La dame à qui je priais, dont j'ai prié hier, dont je vous ai parlé, elle dit,
rends-moi son âme, il dit, toi, tu me fais quoi avec son âme? Ah. Et je vais te donner tout, mais je ne vais pas te donner son âme. Quand le diable rentre dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il prend, c'est l'âme, ce qui lui coûte cher. C'est l'âme qu'il prend. Alors, attention. C'est pour ça que la Bible dit, veillez sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. C'est-à-dire, faites attention sur vos âmes. Mettez votre âme en sûreté. Travaillez pour la sécurité de vos âmes. C'est très important. Alléluia. Dans la sanctification, le Seigneur ne veut pas de la polygamie. Polygamie, 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 polygamie. Polygamie, polygamie. Si tu es polygame, ou bien tu es dans un foyer polygame, il faut savoir qu'il y a encore du travail pour toi. Je te dis la vérité. Dans la grâce, dans l'alliance de la grâce, il n'y aura pas de polygamie au ciel. Le verset le prouve. Dans le livre de Genèse 2, verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. On n'a pas dit s'attachera à ses femmes, hein, à sa unique. Alléluia. Et ils deviendront une seule chair. Si vous êtes deux avec un homme, est-ce que vous pouvez devenir chair, chair? Hein? Non. Ça peut devenir chair, chair? Non. Loin, frère. Alléluia. Et Éphésiens a répété, Éphésiens 5, verset 31, a répété le même passage. Même chose, mot à mot. Mot à mot, sans virgule, sans rien dire. Éphésiens 2, Éphésiens 5, verset 31. Et dans le livre de 1 Timothée 3, verset 12, apôtre Paul donna des instructions fermes pour l'organisation de l'église. Apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les diacres, apôtre Paul dit, les diacres, quand on dit diacres, c'est tout serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Donc, tout le monde est serviteur de Dieu, oui ou non? Les femmes sont servantes de Dieu, oui ou non? Ah, Seigneur, merci de m'avoir accueilli. Ah, alléluia. Amen. Les femmes sont aussi des servantes de Dieu. Donc, les diacres, je dis 1 Timothée 3, verset 12, les diacres doivent être maris d'une seule femme. Quand on dit une seule femme, ça veut dire une femme. C'est ça, hein? Une femme. Marie d'une seule femme. Ce qui veut dire que toute personne qui a deux femmes dans l'église de Christ est disqualifiée pour servir dans l'église. Ou bien c'est moi qui ai mal interprété. Non. Alléluia. Disqualifiée pour occuper un rôle dans l'église. Tu es disqualifié. Alors tu es quoi? Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle profane dans l'église. Tu es profane dans l'église. Les profanes ne pourront pas entrer au ciel. Alléluia. C'est la Bible qui a parlé. Les gens connaissent les versets, mais ils vont vous mettre autre chose dans la tête. Et le verset là. Alléluia. Ce qui te disqualifie de servir Dieu sur la terre, c'est la même chose qui te disqualifie du ciel. Donc la polygamie n'est pas chrétienne. Alléluia. La polygamie n'est pas chrétienne. Les gens nous traitent d'extrémistes. Il y a certaines églises qui prêchent ça.
mais il le cache. Il le cache. Alléluia. Moi, je me suis très bien renseigné. Il y a des églises, ils le cachent, ils ne savent pas comment le prêcher. Mais c'est quand vous allez chez eux, quand, avant qu'ils ne te baptisent, ils vont te poser ces questions. Et quand tu es dans la polygamie, ils ne vont pas te baptiser. Mais pourquoi ne pas le prêcher directement? Alléluia! Il faut le prêcher pour que les gens sachent ce qui est là. Dieu ne veut pas de polygamie dans sa maison. Donc, tu es la dernière femme dans un couple, dans un foyer polygame. Tu sais ce que tu dois faire. Pour gagner le ciel. Parce que le fait que tu es rentré dans le foyer, depuis que tu es rentré dans le foyer, la première femme est malheureuse à cause de toi. Toi, on te chérit. Mais à peine, elle a accès à 2000 francs pour la popote. Je vous le dis en vérité. Tu n'es pas sur un terrain conquis. Je te dis la vérité. Tu n'es pas sur un terrain conquis. Donc, priez. Pleurez à Dieu. Pleurez à Dieu. Tu as volé le mari d'autrui. Tu dois restituer. Tu dois restituer. Il y a une sœur qui est dans cette tourment actuellement. Et nous prions vraiment le Seigneur de la fortifier. Elle vit avec un homme qu'il a épousé en deuxième femme. Et donc, quand elle est tombée sur le groupe Jésus revient, ce message vraiment, c'est fort pour elle. Mais depuis, si ton âme doit être sauvée, l'Esprit de Dieu te tourmente de telle façon que tu ne peux pas résister. Donc, le Seigneur lui parle de plusieurs manières pour dire, tu n'es pas pour cet homme. Laisse-le tranquille. Mais il sait fait que c'est l'homme qui a pris soin d'elle depuis son enfance. Donc, c'est comme elle a épousé son tuteur. Mais si elle était celle qui a été épousée avant l'autre, le problème serait facile. Mais il sait fait que l'homme a épousé un autre d'abord, avant maintenant de venir la prendre pour femme. Et l'homme, c'est un homme très riche. Et l'homme l'a aussi rendu riche. Voiture, maison, tout. Et l'homme a rendu aussi sa famille heureuse. Partout où un membre de sa famille est allé. Et on parle de cet homme. C'est assez libre. Donc, toute sa famille aussi se repose sur elle. À cause de cette alliance. Mais maintenant, voilà le Seigneur a dit. Tu ne peux pas. Vous connaissez, vous? Vous connaissez le sujet, mon frère? Voilà. Alléluia. Voilà le Seigneur dit. Tu ne peux pas. Donc, la sœur a regardé la valeur du ciel, la valeur de son âme. Elle a mis dans la balance aussi toutes les richesses, les bénédictions, les voitures, les maisons, même ses études, tout, je vous dis. Même là où elle travaille, gagne gros, c'est l'homme. Tout ça là, elle a regardé tout ça. Elle a regardé à la croix de Jésus. Ce que Jésus a souffert pour elle, pour qu'il gagne le ciel. Elle a dit, au revoir à l'homme. Amen. Alléluia. Et je vous dis, jusqu'à présent, elle est objet de toutes les malédictions de sa famille. Je vous dis, elle est objet de tout ce qu'on appelle malédiction. On dit, mais tu présentes, arrête de présenter. Arrête de présenter et rejoins-le. Donc les gens considèrent que
Elle est en train de présenter. De retourner. Faut retourner. Quelle est cette folie? Retourne là. Je vous dis. Et l'homme a commencé par couper les choses. Il a commencé par couper. Il a commencé par couper tous les avantages. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas couper. Le ciel. Amen. Je vous dis, voilà les cas que nous devons soutenir dans la prière. Ces cas-là, c'est que c'est ces cas que le diable dit non, c'est là. Non, c'est que je l'ai déjà dans mon cage. Et peut dépouiller tout, mais je sais qu'il ne pourra pas accepter se déconnecter de ses avantages. Mais nous devons suivre le diable. Amen. Nous devons le suivre. Jean m'a dit, nul je suis venu sur la terre. Et nul je retournais dans la tombe. Amen. Dieu a donné, Dieu a pris. Si vous avez le langage de Jean, vous allez affronter le diable. Amen. Je vous le dis en véritable. Je vous le dis, la sœur, elle est vraiment dans la persécution actuellement. Je vous dis la vérité. Elle est dans ce qu'on appelle persécution. Parce que elle est obligée de revenir vivre comme un vil individu. Un vil individu. Parce que tous les avantages sont séchés. Séchés. Même la maison là où elle dort. Tout doit partir. Pour qu'elle gagne le ciel. Mais si c'est le prix à payer. Si c'est le prix à payer pour gagner le ciel. Tu dois le payer. Alléluia. Tu dois le payer. Vous devez soutenir ces cas. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous met à cœur de mettre sur pied un comité qui va gérer ces cas. Et même des bonnes volontés qui vont intervenir. Pour soutenir ces cas-là, nous allons faire ça. Le Seigneur va nous donner la sagesse. On va organiser ça. On va organiser ça. Les cas vraiment percutants. Parce que c'est des choses que c'est des âmes que le diable a dit. Bon, ces âmes, je les ai déjà. Et ça les surprend. Alléluia. Ça les surprend. Ça les surprend. Donc nous devons vraiment tout faire pour aller au secours de ces cas-là. La sœur dont j'ai publié la photo tout à l'heure, elle aussi actuellement elle est sous pression. Quand les gens, elle s'est affichée pour dire, ah, je suis actuellement en Jésus-Christ, voilà ce que je suis devenu. Les gens commençaient pas à pleurer pour lui, les gens du monde. Les gens disent, hey, qui t'a rendu comme ça? Hey, tu es malheureuse. Nous devons de prier pour lui. Peuple de Dieu. Si vous ne vomissez pas la terre, si vous n'avez pas le dégoût pour la terre, là, pour quitter, ce n'est pas facile. Je vous dis la vérité. Donc vous devez persévérer. La persévérance, ce qu'on appelle persévérance, très vrai. Vous devez persévérer. Vous devez persévérer. Donc, concernant la polygamie, Apôtre Paul vient à tester. Polygamie sont disqualifiés pour servir Dieu. Même le livre de Tite 1, le verset 6, il est revenu sur le monde Dieu. Il dit, s'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, est-ce que c'est moi qui exagère? Non. J'ai dit que l'apôtre Paul, là, franchement, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, pourquoi il n'a pas dit Marie seulement. Marie d'une seule femme. Chaque mot dans la Bible a sa valeur au portail du ciel. Amen. Marie d'une seule femme. Ayant des enfants fidèles. Et qu'il ne soit donc, qu'il ne soit ni accusé de débauche, ni de rebelle, c'est-à-dire des gens modèles. Et le Seigneur en train de faire de vous ces modèles-là. Alléluia. Amen. Des gens modèles, irréprochables. Le Seigneur veut faire de vous des gens de cette génération. On va
trouver au nom de Jésus. Amen. On va le trouver. Amen. On va le trouver. Je vous assure. On va le trouver. Tout le monde ne va pas faire le jeu du diable. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a aussi le sujet de la restitution. Vous devez faire la restitution. Tout ce que vous devez à quelqu'un. Ce que vous avez volé, vous avez oublié, mais le ciel n'a pas oublié. Alors, la restitution. Si tu as encore la chose sur toi, tu es encore heureux, tu connais encore la personne, tu vois encore la personne, tu as encore la chose sur toi, la chose la plus simple. Et c'est le fait de Dieu qu'on va désirer. Tu vas les appeler, tu vas les inviter. Ils vont t'aider. Tu vas aller faire la restitution. Et ne t'attends pas à être bien accueilli. Non. Tu dois accepter, même subir toutes les conséquences qui vont venir. Alléluia. Mais je vous dis, la restitution, c'est un puissant acte de foi. Toutes les fois que nous avons prêché la restitution et les gens ont mis ça en pratique, ça a toujours donné un effet positif. Alléluia. Nous avons parlé du frère, de ce frère qui vient chez nous, qui travaille dans un quincaillerie, dans une quincaillerie, qui a volé son patron. Le jour où il a entendu le message sur la restitution, il est allé, il nous a appelé. On lui a donné les instructions qu'il faut, les recommandations. Et fait, il est allé vers son patron pour se faire dénoncer. Et il a ramené tout ce qu'il a volé dans sa boutique. Le patron ne l'a pas chassé. Mais au contraire, le patron a doublé son salaire. Alléluia. Le patron a dit, mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi qui est venu dire lui-même, j'ai volé quelque chose. Alors que le patron, lui, il est déjà allé chez les marabouts pour demander à l'employé que j'ai mis dans ma boutique là. Est-ce qu'il est honnête? Le marabout, après la consultation, a dit, oui, ah, c'est un homme très honnête. Mais voilà, l'employé lui-même, il est venu maintenant. Vous avez dénoncé. Alléluia. Voilà. Ah oui, c'est du business. Alors, la Bible dit, rendez à César ce qui est à César. Et dans Romains 13, verset 8, il est dit, ne devez rien à personne. Rien. Ne devez à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, la seule chose que vous devez vous demander, c'est l'amour. Alléluia. Donc, la restitution est très importante. Si tu dois quelqu'un, tu dois également travailler pour la restitution. Alléluia. Nous sommes en train de tendre vers la fin. Nous avons déjà parlé de l'homosexualité. Dans Lévitique 18, verset 22, il est écrit que tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Une abomination. Et si dans Lévitique 20, verset 13, il est dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous de fait une chose abominable. Et ils seront punis de mort. Punis de mort. Les péchés criminels. Voilà. Voilà en pêle-mêle quelques choses importantes que le chrétien ne doit jamais toucher, ne doit pas pratiquer, ne doit pas prendre. La cigarette n'est pas chrétienne. Le chrétien qui fume la cigarette, l'enfer, ça fait partie des passions. Des passions impures, des choses sales qui ne doivent pas rentrer dans la vie chrétienne. La drogue, la chicha, qui a fumé la chicha une fois ici? Seigneur Jésus. Si Jésus n'est pas allé sur la croix. Hey! Alléluia. La chicha, c'est fini. Il n'y a pas de chicha pour les chrétiens. La culte, on a déjà parlé de ça. L'alcool. Même où il y a une boisson, même s'il y a une boisson dans laquelle il y a 1,5% d'alcool. C'est pas pour toi. Hein. Les 1,5, c'est un piège pour ton âme. C'est à cause de toi, on a diminué le volume. C'est à cause de toi, on a diminué le volume, on a mis 1% seulement. Le 1%, c'est 1% de péché pour ton âme. 1% d'acide. 1% de poison pour ton âme. Voilà.
1% de poison pour ton âme. Vénin. C'est vénin. Alléluia. Amen. C'est un vénin. Dans le livre de Joël, trouvez-moi le verset. Pleurez, je le sais, vous qui. Pleurez, je le sais, vous buvez de vin. Les gens disent, oh, il y a un code verset dans la Bible qui est interdit de boire de l'alcool. Ah. Au portail du ciel, ils vont constater que c'est pas le vin. C'est pas le vin. Tout ce que le Seigneur fait dans la Bible. Hein? Hein? Lisez-moi ça. Joël 1:5. Réveillez-vous, ivrogne. Réveillez-vous, ivrogne. Et pleurez. Pleurez. Vous tous buvez de vin. Vous tous buvez de vin. Gémissez. Gémissez. Parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Ah, le mou vous est enlevé de la bouche. Le mou qui fait tchit 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 tchit. Ça fait le mou qui comme ça avant comme ça. Bien. J'ai dit c'est pleurer. Parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Alléluia. Les gens peuvent vous donner tous les arguments pour boire du vin. Mais la Bible dit, ne vous émigrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. S'il y a 1% de vin dans ton corps, le Saint-Esprit ne peut plus venir. C'est plutôt que tu vas recevoir. Je te dis la vérité. Alléluia. Les bières et toutes sortes de boissons alcoolisées n'est pas chrétien. Le chrétien ne doit pas pratiquer les arts martiaux. Alléluia. Le chrétien n'est pas dans les arts martiaux. Le chrétien n'est pas dans les arts martiaux. Il n'y a pas de kung-fu pour le chrétien. Il n'y a pas de judoka. Il n'y a pas de taekwondo pour le chrétien. Derrière les arts martiaux, il y a l'esprit de Bouddha. Il y a l'esprit de yoga. Alléluia. Amen. Et pour aller au ciel là, on va abandonner tout ça. Là, on va mettre la main à l'air comme ça. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de football pour les chrétiens. Amen. C'est l'une des plus grandes passions que le diable a envoyé sur la terre pour envoyer des milliards de personnes en enfer. Le football n'est pas chrétien. Je vous le dis, même ceux qui portent les maillots de football, brûlez-les. Nous avons fait délivrance à une soeur. Le dernier esprit qui est en elle, l'esprit dit, non, moi je ne le sens pas. J'ai encore ma chose avec elle à la maison. Elle dit, mais quoi? Elle dit, le maillot de football, qu'elle a, c'est pour moi. Oh. Des gens vont dire, bon, on va prier sanctifié. Tu ne peux pas. Le sang de Jésus, ce n'est pas de l'homoclie. Ça ne nettoie pas les choses sales, non. Ce que la Bible dit de ne pas toucher, ne touche pas. Alléluia. Amen. Le chrétien ne doit pas jouer les jeux de hasard. Les PMU, les lotostars, les crypto-monnaies, voilà un autre. C'est pas chrétien, ou c'est pas chrétien, c'est pas chrétien. Quand la Bible parle de cupidité là, quand vous voyez tout ce qui se passe derrière ces choses, vous-même vous savez ce que c'est de la cupidité. Là où le Seigneur va te bénir là, c'est là que tu fais comme ça. Voilà, tu travailles pour gagner ton salaire, mais tu vas aller miser. Tout ce dans quoi tu fais de mise, c'est du hasard. C'est du hasard.
Est-ce que les gens ne misent pas dans la crypto-monnaie? Les gens font des mises. Que personne ne vous trompe pas. C'est des mises. Moi, j'ai un ami qui est dedans. J'ai dit, mon frère, qui est dans ça? Il dit, non. Le chrétien, là, vous exagérez. Chrétien, fait faire crypto-monnaie. Parfois, il a pour vous monter, il gagne jusqu'à $500. Et dans la même semaine, il va miser tous les $500. Il est pauvre. Je vous dis. Je vous dis la vérité. Malheureux, tu n'es pas heureux. Et tout ton cœur est attaché à ces choses-là. Quand tu es dans ces choses-là, tout le temps tu te déplaces avec ça dans la tête. Quand tu trouves l'argent, tu penses directement à ça. Il y a un additif. Il y a un esprit qui te pousse dans ça. Nous avons fait des classes avec frère. De l'esprit des jeux de loto. L'esprit de l'autorité. Ah, si il vous dit comment il dépouille sa mère. Il dépouille sa mère. Pour aller jouer l'autorité. Je vous dis la vérité. Vous allez voir des retraités qui sont allés prendre leur rappel et qui sont allés verser tout dans l'auto. Il y a un autre, une bassine de l'enfer qu'on appelle machine à sous. C'est un panier de l'enfer. Tu vas puiser l'eau dedans. Vous allez voir des gens en train de mettre l'argent dedans. Il n'y a pas de casino pour les chrétiens. Alléluia. Il n'y a pas de casino pour les chrétiens. Ceux qui ont fréquenté, qui sont allés à casino une fois ici. Casino. Alléluia. Vous avez vraiment fait le monde. C'est ça. Quand vous allez dans le casino, l'environnement est fait de telle façon que tu oublies toi-même. Tu oublies même l'argent que tu as amené. Il y a des femmes qui sont saisies, qui mettent les seins dehors pour toi, pour te flasher, pour te faire avaler la salive. Là, quand tu mets l'argent dedans, là, tu oublies même que c'est l'argent que tu as fait. Et... oh, Seigneur Jésus. Nous, on connaît. Alléluia! Je vous le dis en vérité, C'est un environnement maudit. Quand vous fréquentez ces lieux-là, vous êtes directement marqué. C'est des lieux où les gens reçoivent directement le 666. Je vous le dis en vérité, Alors, vous n'êtes pas dans ça. Les jeux de distraction, les belotes, les dés, les dominos, ben, l'esprit dans ça va évangéliser. La distraction du chrétien, c'est l'évangélisation. Alléluia. Prends ton mégaphone, reste au bord de ta voix. Crie repentance. Demande aux gens de se repentir. Demande aux gens de se repentir. Si tu n'as rien à faire, prends ta Bible, médite. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Les activités que le chrétien ne peut pas pratiquer. Le chrétien ne peut pas travailler dans un bar. Dans ce bar. Buvette. Comme serveuse. Le chrétien ne peut pas travailler dans une boîte de nuit. Le chrétien ne peut pas travailler dans une chambre de passage. Le chrétien ne peut pas travailler dans une piscine publique. C'est des lieux hantés. Alléluia. Nous avons parlé aussi des amis de Marc. Comme les Versace et autres, les Gucci et autres. C'est des marques qui sont fortement hantées. Hantées. Surtout aujourd'hui, la proportion que Versace prend dans le monde, ça me fait. Même les lits sur lesquels on dort, les menuisiers là, la plupart des menuisiers maintenant, ils fabriquent des lits. Vous allez voir, ils dessinent Versace au bout. Ayez le discernement. Vous allez dormir dans la mer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Peuple de Dieu, voilà les choses pour lesquelles le diable nous l'habite. Alléluia. Est-ce qu'on ne les agère pas? Non. Voilà les choses pour lesquelles on pense que nous ne sommes pas dans la vérité. Dans tout ce que nous avons dit ici, qu'est-ce qui n'est pas biblique? Qu'est-ce que nous avons ajouté? Alléluia. Si c'est pour ces choses,
Mais nous sommes blindés par le bouclier anti-missile. Dans Matthieu 18, verset 8 à 9, le Seigneur dit, si c'est ta main ou ton pied qui est pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire si c'est ta main ou ton pied qui va t'empêcher d'entrer au ciel, il dit quoi? Coupe-les et jette-les loin de toi. Vous avez vu que notre Seigneur est très radical? Hein? Si quelque chose va t'empêcher d'entrer au ciel, de couper et de jeter, il n'a pas dit de prier sur ça. C'est le Dieu même qui parle ici. Il aurait pu dire non, mon sang est là pour purifier vos pieds. Alléluia. Si on pouvait couper le pied pour entrer au ciel, quand sera-t-il pour les mèches? Quand sera-t-il pour les parures? Quand sera-t-il pour les collants? Quand sera-t-il pour les choses qui brillent dans le monde, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur? Ça devrait être facile à jeter et brûler. Alors, je vous le dis. Il dit encore, mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle, boite ou manchot, c'est-à-dire gobligoto. Tu n'as plus de main, tu n'as plus de pied, tu vas encore ça pour entrer au ciel. Quand tu vas entrer au ciel, tu vas constater que tout va apparaître. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas de manchot. Au ciel, il n'y a pas de boiteux. Au ciel, il n'y a pas d'aveugle. Tout ce que tu n'as pas dans ton corps physique sur la terre, au ciel, tu vas voir que tout va apparaître sur toi. Alléluia. Je vous le dis en éternité. Même les aveugles ont plus de chances d'entrer au ciel que ceux qui ont les yeux ouverts. Je vous le dis. L'aveugle ne va pas voir les fesses de quelqu'un pour avaler la salade. Chez lui, tout est noir. Hein? Tout est noir. Alléluia. Tout est noir. Si c'est ton œil qui est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. La parole de Dieu est tellement vivante. Vivant. Vivant quoi? C'est vivant. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, si vous approuvez ces choses-là, Matthieu 7, verset 26 pouvait dire, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Il n'y a rien. Alléluia. Alors, Apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi à la croix. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu. Voilà des choses que le Seigneur veut que vous sachiez dès maintenant, que vous vous dépouillez, que vous abandonnez pour marcher sur ce chemin étroit. Quand la Bible parle de chemin étroit, là, c'est ça le chemin étroit. Trop de choses à abandonner, trop de choses à éviter, trop de choses à haïr. Mais quand vous le faites, c'est pour le bonheur de votre âme. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Vous allez penser que, donc, le chrétien ne doit plus rien toucher dans le monde. Non. Alléluia.
beaucoup de choses que vous pouvez faire dans le monde. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Le chrétien peut vendre du manger. Le chrétien peut ouvrir un petit marquis. Tu peux vendre des sucreries dedans. Mais le jour où tu vas amener une bière, le jour là tu as invité le diable, il vient t'en marquer. Hein. Il va mettre sur ta plaque, la plaque devant le marquis là, il va mettre centre de recrutement pour l'enfer. Alléluia. Faites attention à votre âme pour que votre travail même ne vous conduit pas à aller en enfer. Alléluia. Si vous êtes content pour cette parole, vous allez vous lever, acclamer le roi des rois. Acclamer le roi des rois. Acclamer le roi des rois. Alléluia. J'aimerais dire, Père de Dieu, si depuis que l'église de Christ a vu le jour, si ces mêmes choses sont prêchées chaque dimanche, dans toutes les églises qui parlent de Jésus sur la terre, je vous le dis, il y a longtemps, la trompette serait déjà sonnée. Parce que l'effectif serait déjà atteint. Alléluia. Mais l'ennemi travaille pour ralentir les choses. Mais désormais, les choses iront encore très vite. Les choses iront désormais très très vite. Alléluia. Parce que de plus en plus d'âmes veulent maintenant gagner le ciel. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ces paroles que je viens d'écouter, attache-les à mon âme. Attache-les à mon cœur. Commence par prier au nom de Jésus. Commence par prier. Prie. Seigneur, attache ces choses. Seigneur, attache ces choses à mon cœur, à mon âme. Attache-les à mon esprit. Attache-les. Seigneur, donne-moi le dégoût de tout ce qui ne te glorifie pas. Donne-moi le dégoût de tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, donne-moi ta capacité, la capacité de faire ta volonté. Seigneur, donne-moi la capacité de faire ta volonté. Prie. Seigneur, je veux voir les choses désormais comme tu les vois. Je veux voir désormais les choses comme tu les vois. Je veux sentir comme tu sens les choses. Seigneur, je veux aimer comme tu aimes. Seigneur, je veux avoir ta compassion. Seigneur, donne-moi la passion pour ton œuvre. Donne-moi la passion. Seigneur, donne-moi le dégoût des choses du monde. Donne-moi le dégoût des choses qui font plaisir à ma chair. Seigneur, donne-moi la passion pour les choses spirituelles. Seigneur, je veux vivre pour le ciel et non pour la terre. Seigneur Jésus, soutiens-moi dans la marche. Seigneur, soutiens-moi dans la marche. Seigneur, soutiens-moi dans la marche. Seigneur, tiens-moi dans la fermeté. Seigneur, tiens-moi dans la fermeté.
Tiens-moi dans la fidélité et l'intégrité jusqu'à la mort. Seigneur Jésus, je ne veux pas rater ma couronne. Seigneur, je ne veux pas rater ma couronne. Je ne veux pas rater ma couronne. Seigneur, soutiens-moi dans le combat. Seigneur, soutiens-moi dans le combat. Je ne veux pas rater ma couronne. Je ne veux pas rater ma couronne. Seigneur Jésus, soutiens-moi. Seigneur Jésus, ne me cache pas ta face. Seigneur, fais-moi grâce. 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 Seigneur, efface mon image du monde. Seigneur, efface mon image du monde. Que je sois mort pour le monde. Pour vivre en toi. Seigneur, je veux sentir ta présence dans ma vie. Je veux sentir ta présence dans ma vie. Seigneur, je veux sentir ta présence dans ma vie. Seigneur, je veux sentir ta présence dans ma vie. Seigneur, je veux sentir ta présence dans ma vie. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, toi qui enseignes ton peuple les choses cachées, papa. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu as révélé les choses cachées au monde. Tu les as révélées à ton peuple pour les préparer pour ton retour. Seigneur, tout ce que tu leur as enseigné, papa, grave-les sur la table de leur cœur, Seigneur. Papa, Seigneur, aide-les à marcher convenablement selon ta volonté, Seigneur. Papa, ne permet jamais que l'ennemi vienne encore capturer un seul parmi eux, Seigneur. Papa, soutiens leur foi. Nous recommandons tout le reste du programme en tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois prié. Amen. Alléluia. 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 La vie de son serviteur qui nous a vraiment donné puissant enseignement. Gloire à Jésus, peuple de Dieu, nous tendons vers la fin, mais asseyez-vous d'abord.